Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Nuria TV, je suis très content de vous retrouver, je suis Guillaume. Installez-vous confortablement les Nuréens, ce soir nous repartons pour une petite soirée, la tête sur la lune avec notre ami Franck Morin. Ça fait un bout de temps que je vous avais pas vu en live, donc je suis très heureux de vous retrouver enfin pour un direct. Je vois que vous êtes nombreux sur le chat et la team Modo toujours en place, Mickaël est là, Patrice Lyon également, et j'imagine, bah tiens, Marie et Béa sont là, et notre ami Ron aussi. Merci les Modo, merci pour votre présence et votre soutien de sans faille. Votre soutien de sans faille, c'est bien français ça, tiens, ça commence bien ce soir. Les amis, sans plus tarder, on accueille Franck Morin sur l'antenne de Nuria TV. Salut Franck, sois le bienvenu parmi nous. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous portez bien, et je suis content de vous retrouver. Pour un sujet assez condensé, puisqu'il s'agit des anomalies lunaires et des mystères sur cet astre. Et d'autant plus que, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai quelques infos en plus à vous donner sur l'actualité ufologique aux États-Unis et en France, qui est assez intense en ce moment. Et puis je pourrais aussi vous donner quelques nouvelles du CIPO. Effectivement, en fin d'émission, on prendra le temps pour faire un petit tour d'actu et parler un petit peu du CIPO, puisqu'on avait fait la conférence de lancement de cette merveilleuse organisation sur Nuria TV, enfin en direct depuis les repas ufologiques de Toulouse. Et donc, tu vas pouvoir nous donner quelques actus. En parlant d'actu, l'actu en ce moment qui te concerne toi directement et qui nous amène à cette émission de ce soir, puisque la Lune, on en avait déjà parlé, des missions spatiales, notamment les fameuses missions Apollo sur la Lune. Et il y a un livre qui n'est pas encore sorti, qui va sortir d'ici quelques temps, je crois aux alentours du 15 avril, c'est ça ? Voilà, le 14 précisément. Ouais. Alors ce livre, il s'appelle Énigme spatiale. Je te laisse nous dire quelques mots sur ce qui t'a motivé à te lancer dans la rédaction de ce livre et qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver. Eh bien, je vais vous le montrer de visu. Donc c'est un livre de 300 pages. Et je l'ai écrit parce que quand j'ai commencé à enquêter sur les phénomènes aérospatiaux inexpliqués dans l'espace, je me suis aperçu qu'il y avait bien d'autres choses dans l'espace qui étaient inexpliquées. Et le but de ce livre est de recenser tout ce qui est insolite, curieux ou inexpliqué dans l'espace. Et il y a beaucoup de choses puisqu'on a les grandes énigmes scientifiques, l'énergie sombre, la matière noire, des corps astronomiques géants dont on n'arrive pas bien à comprendre la présence ou le fonctionnement. S'ajoutent tous les objets mystérieux qui ont été vus par les astronomes et les astronautes. Et ça, c'est la première partie du livre. Et on m'a posé une question, est-ce que c'est des sources scientifiques ? Et j'ai pris un soin assez particulier à justement chercher tout le temps les sources originelles. C'est-à-dire que quand on dit tel astronome a vu tel objet à comportement intelligent dans l'espace à telle période, c'est ses déclarations propres. Qu'il a fait soit, par exemple, l'Académie des sciences en France, ou dans les bulletins de la Société astronomique, ou alors dans leurs propres ouvrages. Donc un livre sourcé qui s'appuie sur des bases relativement fiables. Oui, c'est ce qui m'a le pris le plus de temps. Parce que c'est un peu aussi l'une des qualités que l'on te connaît, c'est de jamais forcément extrapoler, partir dans tous les sens. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, de t'appuyer sur des fondements clairs sans chercher à tirer de conclusions hâtives s'il n'y a pas de choses sourcées. Alors dans ce livre, moi je vais être honnête, j'ai pas pu le lire en entier. Tu m'as envoyé le PDF puisqu'il n'est pas encore sorti. Mmh. Je me suis intéressé au chapitre qui va nous intéresser ce soir, la Lune. On constate que tu mets un soin particulier à séparer le bon grain de l'ivraie, si je puis dire, et à donner des explications, somme toute rationnelles, sur pas mal d'éléments qui peuvent susciter du mystère et qui parfois sont montés un peu en épingle sur la toile ou dans certains livres, alors qu'il y a des explications tout à fait logiques et rationnelles derrière tout ça. Oui, surtout sur la Lune. Parce que si on écoute tout ce qui arrive sur Internet sur la Lune, alors il y en a qui vous diront qu'on n'y est pas allé. Donc ça, j'ai traité ce point dans le livre. Tu l'abordes en détail dans le livre, effectivement. En étudiant trois axes. D'abord, les arguments des théoriciens du Moonhoax et leur contre-explication. Les preuves des alunissages, sont-elles valides ou non? Et ensuite, le Moonhoax aurait-il été vraiment possible? Alors ça, c'est pour ce point. Mais si on continue sur Internet, si on écoute tout ce qui arrive, on va vous dire qu'il y a une base extraterrestre tous les 500 mètres. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de présence extraterrestre sur la Lune.
Mais dans ce cas-là, alors après, on va vous parler d'anomalies géantes, de tours qui font plusieurs kilomètres de haut, d'engins miniers, de traces suspectes. Quel est le vrai du faux là-dedans? Donc, ça a été le leitmotiv de regarder, par exemple, dans les déclarations des astronautes Apollo, est-ce qu'ils ont vraiment vu des ovnis? Et pour ça, j'ai été voir bah, dans les comptes rendus audio des missions Apollo, par exemple, bah, on peut voir ligne par ligne ce qui s'est passé. Et c'est un long travail parce qu'il y en a qui peuvent faire plus de 500 pages, par exemple. Donc, il faut retrouver le bon endroit et savoir ce qui a été dit. Alors, est-ce Et, qu'il parle de Père Noël dans ses retranscriptions? oui, Le à deux reprises d'ailleurs. fameux Père Noël qui, Oui. on ne sait pas trop quelle réalité se cache derrière ce terme employé par les astronautes. Oui, donc ça s'est produit sur une mise de mémoire sur une mission Gemini, puis après sur une mission Apollo. Et effectivement, à 25 décembre, ils ont bien confirmé qu'ils avaient observé un Santa Claus, quoi, un Père Noël. D'accord, mais c'était un 25 décembre. Mais c'était un 25 Ce décembre, qui oui. peut pondérer un peu toute l'excitation qu'on peut mettre derrière ce thème un peu mystérieux et un peu mystique de Père Noël. Voilà. Et on va dire effectivement que pour ce cas précis, l'hypothèse d'une blague est tout à fait crédible, puisque d'abord ça se situe le 25 décembre, et il y a d'autres éléments qui stipulent que c'est une blague, d'autant plus qu'ils avaient l'habitude de le faire entre Capcom et les astronautes. Néanmoins, on a d'autres, après vérification, on a bien d'autres cas de figure où des astronomes ont bien affirmé avoir vu des objets non identifiés dans l'espace. Ensuite, on a été vérifié si ce n'était pas le dernier étage du lanceur de la fusée Saturne qui avait propulsé Apollo et qui était effectivement à ce moment-là dans l'espace, et ce n'était pas le cas non plus. Et il existe bien effectivement des astronautes américains ou des cosmonautes russes qui ont affirmé avoir vu, filmé ou photographié des objets, et ça reste inexpliqué. Donc il reste toujours Bon. des choses inexpliquées et dans Ah oui. l'espace et sur la Lune. Moi c'est ce que j'ai aimé en tout cas sur la grosse partie du livre que j'ai pu lire. C'est encore une fois fidèle à ton habitude, tu donnes énormément d'éléments, des éléments sourcés, mais in fine j'avais l'impression à la fin de cette lecture de pouvoir me faire mon propre avis. J'avais tous les éléments, tu nous donnes tous les éléments, et puis après chacun avec sa logique à soi, sa capacité à déduire et à faire le tri dans tout ça, chacun peut se faire son propre jugement, et c'est aussi quelque chose que je trouve assez honorable dans un livre d'ufologie, qu'on laisse au lecteur à la fin bah, le soin de se faire son propre avis et de faire ses choix dans ses informations qui encore une fois sont relativement fiables. Ce soir, on va aller sur la Lune, on va faire un petit tour d'horizon de mystères, notamment géologiques ou artificiels, nous verrons ce que tu en dis, mais en tout cas, il y a pas mal de dossiers qui sont levés sur la toile et à travers différents films ou livres, et on va essayer de faire un petit tour là-dessus. Je préfère anticiper d'ores et déjà, je sais qu'il y en a qui sont convaincus de certaines choses sur la Lune, c'est leur droit, chacun a le droit de penser ce qu'il veut de ces dossiers-là. Ce soir, je sais qu'il y a pas mal de ces cas-là qui vont être débunkés par toi, avec des arguments relativement solides. Libre à chacun, encore une fois, de les faire sien ou pas et de les intégrer dans son modèle de compréhension du phénomène OVNI. Donc, si tu le veux bien, on se lance sur ce fichier que Ah tu nous as oui. préparé et on est parti, direction Objectif Lune. Tintin n'est pas avec nous, mais c'est Franck Morin qui nous emmène en visite. Alors, ben pendant qu'on va présenter la face visible et cachée de la Lune, il faut que je vous donne une petite précision sur ces émissions sur la Lune. On pourrait jamais traiter en une seule émission toutes les anomalies, mystères, énigmes lunaires. C'est tellement long que si on voulait faire ça, il faut se préparer une nuit blanche. Parce que des anomalies, il y en a beaucoup qui circulent sur Internet, des vraies ou des fausses, et si on veut toutes les voir, ça va nous prendre trop de temps. Donc là, on s'est concentré aujourd'hui sur principalement ce qui sont des curiosités géologiques et géographiques. Et vous allez voir pour la suite que ça peut être un bon tremplin pour aborder d'autres énigmes, mais il y en a déjà qui sont assez épaisse à ce propos. Alors par exemple, si on regarde la face visible de la Lune, si vous avez et la face cachée, vous avez un cliché de la sonde LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, qui est une sonde qui a été lancée en 2009 et qui circule encore autour de la Lune. Et la particularité, c'est que bon, bah, bien sûr, on peut voir tous les jours la Lune et bah, à certains moments sa face visible complète. Cependant, il n'y a que 27 hommes au monde qui ont vu de leurs propres yeux la face cachée. C'est les 9 missions Apollo qui ont tourné autour de la Lune.
en sachant qu'il y en a qui ont tourné autour de la Lune, mais bien sûr qui n'y sont pas, n'y ont pas luni. Comme par exemple Apollo 8 et Apollo 10 qui ont fait le tour sans se poser. Et Apollo 13, elle aurait bien aimé, elle a bien fait le tour, mais un accident, une explosion de réservoir d'oxygène l'a empêché. On note sur cette face visible de la Lune, qui reste quasiment immuable à part quelques mouvements d'oscillation qu'on appelle les librations, qu'on avait vu la dernière fois, que la face est constellée de cratères. Une étude qui a été publiée en 2014 de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, recensait 300 000 cratères de plus de 1 km. Ça en fait un paquet, c'est un gruyère. Oui, c'est un gruyère. Et ensuite, on voit des grandes taches noires qui sont les mers lunaires. Les mers lunaires, bon, c'est des épanchements de roches volcaniques qui sont produits majoritairement il y a environ 3 milliards d'années. Mais je reviendrai sur le volcanisme. La face cachée, elle a été photographiée de mémoire pour la première fois en 1959 par une sonde Luna russe. Et elle est beaucoup plus constellée de cratères que la face visible. Personne n'a réussi à mettre le pied sur la Lune, sur la face cachée de la Lune. On n'a jamais envoyé une mission là-bas. C'est difficile parce qu'en fin de compte, la Lune bloque les transmissions radio. Donc quand on est de l'autre côté de la Lune, on ne peut plus recevoir des émissions radio, donc ça complique les choses. Donc il faut envoyer, pas, si on envoie des engins terrestres, comme par exemple le dernier robot Chang'e, qui doit être le numéro 5, qui a envoyé un petit robot qui est sur la face cachée de la Lune, c'est la première fois. Bon, bah, lui, il faut qu'il y ait un orbiteur en surface, enfin au-delà, qui va transmettre les ondes radio. Donc si j'étais une civilisation extraterrestre, c'est de ce côté-là de la Lune que je planquerais mes bases et mes soucoupes volantes. Bah, tu vois, Guillaume, tu me devances, parce que j'allais dire que si on se pose la question à un moment, si des extraterrestres viennent jusqu'à nous, quel est le meilleur moyen d'être discret s'ils restent sur la Lune? Et effectivement, s'ils se mettent sur la face cachée de la Lune, déjà, ils sont assurés de ne pas être vus par des astronomes, qui n'ont aucun moyen d'aller voir ce qui se passe là-bas. Seuls peuvent les repérer, les éventuelles sondes qui passent de temps en temps. Et donc, des sondes, on a eu des sondes russes. Parmi les premières, les sondes américaines. Actuellement, il y a aussi d'autres pays qui envoient des sondes, comme la sonde indienne Chandrayaan. Malheureusement, son atterrisseur s'est écrasé. La sonde Bereshit israélienne s'est écrasée récemment. Donc, de temps en temps, il y a des sondes qui se crashent à sa surface et D'accord. quelques-unes. Et ces sondes-là, quelle est leur capacité en termes de recueil d'informations et quel type d'informations elles nous permettent d'avoir sur cette face cachée? Les premières sondes qui sont allées voir la face cachée, c'était pour l'exploit. C'était de réussir à prendre des photos, et elles étaient de mauvaise qualité d'ailleurs. Et après, les sondes qui tournent, elles peuvent avoir différentes fonctions. Il y en a, c'est juste pour prendre des photos. Il y en a d'autres, c'est pour mesurer des mesures scientifiques, des mesures de la luminosité, de la température. Il y en a, certaines sont équipées, on va dire, de radars pénétrants, ou presque. D'accord. Par exemple, le petit robot chinois là, qui est sur la face cachée de la Lune, j'ai lu qu'il avait un radar pénétrant de 40 mètres. Donc, il permet de Donc, sonder l'intérieur de la surface lunaire. oui. D'accord. Mais il faut savoir que tous les robots qu'on a envoyés sur la Lune ou sur Mars ont une très faible capacité de déplacement. Ils réussissent qu'à faire quelques kilomètres en tout, ils ne vont pas faire le tour de la Donc, Lune. c'est des robots qui sont abandonnés sur la face cachée de la Lune. Oui. D'accord. Enfin, il y en a 15 pour l'instant. Un robot qui est sur la face cachée de la Lune, de mémoire, il n'y a que celui-ci-là, le Chang'e. D'accord. Alors après, si on passe à l'autre, on va faire quelques généralités sur la Lune. Donc elle fait à peu près 3 500 km de diamètre. La distance moyenne, c'est 380 000 km. Ce qui n'est pas beaucoup à l'échelle spatiale parce que ça correspond à faire un peu moins de 10 fois le tour de la Terre. Vraiment pour la rejoindre. Par contre, c'est très compliqué parce que pour arriver à envoyer un objet sur la Lune, surtout si c'est des êtres humains, je vous donne une comparaison. La capsule Apollo, elle doit faire à peu près 30 tonnes et il en faut 3 000. Il faut 3 000 tonnes de fusée et carburant pour pouvoir la propulser dans l'espace. Donc, quasiment 100 fois plus. Ensuite, il faut réussir à échapper à l'attraction terrestre. Gérer les dysfonctionnements, il y en a eu beaucoup. Apollo 11 a frôlé plusieurs fois la catastrophe à cause de plein de problèmes
divers et variés. Ils ont réussi à redécoller grâce à un stylo. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ils s'apprêtaient à remonter à revenir sur Terre, le LEM était bloqué. Il y avait un bouton qui a été cassé. Manque de chance, c'est celui qui gère la poussée des moteurs. Et donc, c'est à ce moment-là qu'un des astronautes a pris un stylo et a appuyé sur le trou pour pouvoir faire décoller la capsule. Sinon, ils y restaient, ils y mouraient. Hein. Et c'est comme ça que Bic est rentré dans la légende. Ouais. Justement, ce stylo si particulier, on l'appelle le stylo de l'espace. Il a un nom spécial, mais il a eu beaucoup de succès même. Celui-là, il doit valoir cher aux enchères. L'âge de la Lune, on a du mal à le déterminer précisément, à quelques millions d'années près, hein, j'entends, mais en tout cas, c'est après après la création de la Terre. L'hypothèse scientifique dominante, c'est qu'elle était percutée par un corps nommé Théia, inférieur à la taille de Mars. Il y a quelques scénarios alternatifs, mais c'est celui-ci. Il a été vérifié après qu'on a commencé à ramener des roches avec les missions Apollo. On a remarqué qu'il y avait des points communs, des caractères isotopiques communs entre les échantillons lunaires et les échantillons de roches terrestres. C'est ce qui a permis de déterminer ça. La Lune est par définition un corps extraterrestre en dehors de la Terre, et il faut déjà bien considérer que sa composition est très différente. Ça n'a rien à voir par rapport à notre monde, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc c'est pour ça qu'elle se prend pas mal d'impact de météores, parce qu'elle n'a pas d'atmosphère qui peut freiner ou détruire certains météores. Elle n'a pas de vent, de pluie, de nuages, même si certains croient en voir sur la Lune. Elle n'a pas de verdure, de végétation. Elle n'a pas de champ magnétique global, mais elle en avait un avant, on estime. Et une étude de la NASA estime qu'elle aurait pu avoir une atmosphère il y a quelques milliards d'années et que ça aurait pu durer pendant 70 millions d'années. Mais sinon, à part ça, rien n'indique qu'il y ait pu avoir une civilisation ou des êtres vivants sur la Lune. D'accord. Avant qu'on ne poursuive, si tu veux bien, Franck, il y a une question que je trouve super importante. Alors, elle n'est pas prévue au programme ce soir, mais comme tu en parles dans le livre et que j'ai eu l'occasion de tomber sur ce passage en le lisant, ça concerne la conquête spatiale. Comme tu disais tout à l'heure, certains réfutent l'idée qu'on ait pu envoyer des hommes sur la Lune. Et un des arguments qui est souvent avancé, c'est la fameuse ceinture de Van Allen, pas le guitariste, hein, qui empêcherait aux missions spatiales de franchir le champ magnétique terrestre, je crois, il y a trois couches de la ceinture de Van Allen, et qui rendrait les missions vers d'autres planètes, des missions humaines, impossibles. Tu en parles un peu dans le livre, est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots, ton avis et les éléments qui permettent de se forger un avis surtout sur cette question? Oui, alors comme tu le disais, il y a effectivement trois ceintures de Van Allen. C'est des ceintures magnétiques qui d'ailleurs sont très utiles pour la Terre parce qu'elles nous protègent des rayons ionisants à haute énergie. Alors, il y a une première, une deuxième, et ensuite la troisième, elle a été découverte à peu près en 2012. On a considéré que ça pouvait être dangereux pour l'être humain, mais dès le début de la conquête spatiale, dès le premier satellite américain, si je me souviens bien, cet Explorer One, on a commencé à faire des mesures de ces ceintures de radiation. Elle se situe pas très loin, c'est-à-dire à peu près à 15-20% de la distance Terre-Lune. Et on a vu qu'effectivement, il y a des endroits où ils étaient très denses et que ça aurait pu être mortel pour un être humain de les traverser. Cependant, il y en a où c'est beaucoup moins dense. Et il en a été conclu qu'avec une bonne protection, un être humain pouvait le traverser sans trop avoir de risques. Et d'ailleurs, il y a des instruments scientifiques qui ont permis de mesurer les radiations encaissées par les astronautes. Alors, je pourrais vous le dire exactement en prenant les pages, hein, ça me prendrait une minute ou deux de vous le chercher et de donner toutes les sources. Bah, ceci dit, les gens pourront aussi les retrouver dans le livre parce que tout est bien documenté, mais vas-y, je t'en prie. Mais donc, en gros, le principe général, c'est qu'un être humain peut traverser la ceinture de Van Allen sous certaines conditions. Sous condition que l'habitacle est une protection et que les astronautes n'y restent pas très longtemps. Et il y a des choses qui sont, en fin de compte, beaucoup plus dangereuses que les barrières de Van Allen. C'est-à-dire qu'il y a les rayons ionisants, les rayons cosmiques. Parce qu'une fois qu'on a traversé ces rayons de Van Allen, cette fois-ci, on s'expose aux rayons cosmiques, et notamment ceux du Soleil. Et pendant toute la traversée. Et en fin de compte, des études médicales ont réussi à déterminer que les astronautes qui étaient allés sur la Lune avaient une proportion
de maladies cardiovasculaires plus élevées que la moyenne. Et on en déduit que ce sont ces rayons ionisants. Et ça va poser un problème si, pour les prochaines missions sur la Lune et surtout pour les missions habitées, D'accord. s'il n'y a pas de protection. Donc si j'en crois ce que tu nous dis, les missions lunaires ou autres ne sont pas impossibles, mais elles ne sont pas exemptes de danger pour les cosmonautes qui embarquent. Oui, il y a énormément de dangers dès qu'on arrive dans l'espace, mais les barrières de Van Allen n'en sont qu'un mineur. D'accord. Il n'y a aucune étude scientifique sérieuse qui explique qu'on ne peut pas traverser les barrières de Van Allen, contrairement à ce qu'il dit sur Internet. Bah voilà, en tout cas, merci. Alors Quelques éléments qui permettront à chacun de se faire son avis et de poursuivre dans la voie de je. cette théorie de Van Allen, ou pas, chacun décidera. Et ceux qui pensent qu'on ne peut pas traverser les barrières de Van Allen, les conséquences auraient été lourdes. C'est-à-dire que, comme toutes les missions Apollo à partir de la 8 à la 17, ont traversé ces barrières de Van Allen, ça veut dire que tout est faux. Il aurait fallu trafiquer un certain nombre de missions. Il aurait fallu monter un scénario consistant à produire plus de 18 000 photos truquées de la Lune. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qu'il aurait fallu scénariser. Ça demande une Oui. logistique importante. Mentir sur l'objectif Lune serait peut-être encore plus difficile que de réellement poser les pieds sur la Lune. Mais il faudrait regarder ça dans le détail. On y consacrera peut-être une émission. Mais en tout cas, merci pour ces infos, cette parenthèse. Sur le sujet de Van Allen, en tout cas, c'était important parce que ça fait plusieurs émissions où on parle de la Lune et que cette idée-là revient, notamment sur le chat. Et je pense que c'est important de donner des infos Oui. là-dessus. Mais après, si ça intéresse les auditrices et les auditeurs de faire une émission spécifique sur ce sujet, sommes-nous allés sur la Lune? On peut le faire. Mais si on veut une réponse complète au sujet, il suffit pas de traiter que celui-là. Il faut traiter les quelques dizaines de points énigmatiques qui ont été soulevés par les théoriciens du Moonhoax, plus ce qu'on parlait avant, les preuves d'émission Apollo et tout ça. Donc, Ça peut être un sujet mais d'émission. c'est, mais si c'est demandé, hein, faut voir parce qu'il y en a qui aiment pas trop ce sujet, il y en a qui aimeraient, donc je sais pas. Oh, ben on fonctionne un peu selon nos envies aussi, Ah hein. Donc ouais. peut-être que ça sera l'objet d'une future émission. On retourne sur notre satellite lunaire. Je repasse sur la dernière image du diapo généralité avec cet échantillon de roche, le plus gros échantillon ramené par Apollo 14, un échantillon de 9 kilos. Alors, si j'ai bien les chiffres en tête, les missions Apollo ont ramené 382 kilos de roche lunaire sur les missions 11 à 17. Sachant que c'est sur Apollo 17 qu'il y en a eu le plus, 110 kilos. Et c'est les plus grosses prises de roche lunaire qui ont été faites dans l'histoire, parce qu'il y a d'autres sondes qu'on a ramenées, les sondes russes, on en a ramené quelques centaines de grammes. Et récemment, en fin 2020, un engin chinois a ramené aussi des échantillons de roche, mais en très petite quantité. Donc c'est les États-Unis qui détiennent le plus gros stock au monde. Et je vous propose de passer à la suivante pour avoir quelques éléments et polémiques sur ces roches. On différenciera les météorites qui sont les objets qui proviennent de la Lune. Alors par exemple, si quand la Lune se prend un impact de météore, c'est d'une telle violence que ça envoie des roches partout, y compris dans l'espace, et certaines peuvent revenir sur Terre. Les météorites trouvées sur Terre sont parfois couvertes de fusion, de croûte de fusion ou de traces de calcination. Ça, c'est parce qu'elles arrivent à des vitesses phénoménales dans l'atmosphère. Ça peut aller de 50 000, même plus de 100 000 km par heure. Donc, il se produit un échauffement qui est susceptible de calciner la roche, de fondre les métaux ou d'éclater la pierre. Voilà pourquoi elles sont comme ça. Et ensuite, les roches lunaires Apollo, donc cette fois-ci, elles ont été prises, bien sûr, elles ont été ramenées depuis la Lune, et Donc, elles ont parfois. Oui. sans dommage, et elle reste intacte. Et elles ont cependant parfois une petite pectionalité, vous voyez des petits trous partout là, surtout sur celle du bas. Et en fin de compte, ça, c'est des impacts de micrométéorites. C'est pas ce qu'on pourrait retrouver dans de la roche volcanique, par exemple? Ça peut être, on m'a parlé aussi de ça, mais l'explication principale, c'est les trous micrométéorites. D'accord. Parce qu'il faut savoir que c'est des roches qui sont restées des millions, voire des milliards d'années au même endroit. Elles ont eu le temps d'être impactées. Donc elles ont le temps d'être impactées.
D'ailleurs, concernant les micrométéorites, les combinaisons Apollo comportaient un revêtement spécial pour essayer de les... au cas où, si c'était des petites, pour pouvoir les dévier. Oui. Ouais, parce qu'on se rend pas compte, mais des micro météorites lancées à pleine vitesse, même des micrométéorites de 3 mm, ça peut avoir un ça peut faire des dommages. Ah oui, ça peut faire extrêmement mal. Et alors, sinon, il y a une polémique aussi à gauche là, sur en 1969, l'ambassadeur des États-Unis avait offert aux Pays-Bas une roche en disant que c'était une roche lunaire. D'accord. Mais dans les années 90, l'idée, il y avait des scientifiques qui avaient des doutes sur cette roche comme ça à l'œil nu. Et donc ils ont engagé une analyse et se sont aperçus que ce n'était pas une roche lunaire, mais c'est que c'était c'était un morceau de bois pétrifié. Alors là, c'est quand même le genre d'élément qui donne du grain à moudre aux gens qui pensent que la NASA et que les organisations qui prétendent être allées sur la Lune mentent, puisqu'ils ont l'ambassadeur là a menti en refourguant une fausse pierre lunaire. Il a été effectivement, cet incident a été utilisé par les théoriciens du canular lunaire, donc Moonhoax, à ce propos. Cependant, il pourrait y avoir d'autres hypothèses. C'est que les météorites lunaires valent très cher. Alors, je vous ai mis un exemple à droite. On a eu une météorite lunaire de 5 kilos, qui a été trouvée en Mauritanie, et dont les enchères ont commencé à 430 000 euros. Donc, si jamais il y a une météorite qui tombe sur votre jardin, alors ça va peut-être faire un gros impact, hein. Vous aurez plus de gazon, mais si vous revendez la météore, s'il est belle et grosse, vous allez pouvoir vous offrir une piscine olympique. La piscine est déjà creusée, vous pourrez payer le revêtement. Donc, on peut faire des hypothèses, c'est-à-dire que vu la valeur d'une météorite, s'il y avait vraiment, d'une roche lunaire, je veux dire, là, elle a pu être volée. Celui qui a volé une pierre comme ça, il a peut-être gagné sa journée. Ensuite, il a été dit sur cette affaire que l'ambassadeur des États-Unis n'était plus en poste, peut-être. J'ai essayé de trouver des informations là-dessus, mais je voulais aussi trouver la taille de la roche, mais je n'ai pas trouvé. Donc, c'est une affaire à creuser. Mais il faut savoir qu'il y a déjà eu des vols. Dans la rubrique des faits divers, il y a un astronaute qui a volé de mémoire une centaine de grammes de roches lunaires et un échantillon martien à la NASA. Et avec la complicité de deux employés. Et après, il a essayé de les revendre, mais c'est là qu'il s'est fait pincer par le FBI. Et en fin de compte, ça avait été estimé à 21 millions de dollars. Ah oui, quand même. Oui. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les roches. Mais on pourra reprendre cette polémique après sur le. Si un jour vous voulez parler du Moonhoax, j'aurai d'autres éléments à vous donner. Il faudra qu'un jour nous y venions à ce dossier et qu'on fasse un vrai tour. Mais De toute façon, à chaque fois que c'est l'anniversaire des missions Apollo, les théories du Moonhoax reviennent et parfois avec de nouveaux arguments. Alors par exemple, les nouveaux arguments qui ont été développés il y a récemment, c'était des problèmes de communication radio. Les ondes radio se déplacent à 300 000 km par seconde, comme la lumière, et donc la distance de la Lune étant 384 000, elle devrait mettre 1,2 à 1,3 secondes pour y aller, entre les communications des astronautes et Houston. Mais des fois, elles sont inférieures à une seconde, ce qui n'est pas normal. Donc pour trouver la réponse à ça, il a fallu enquêter sur pas mal de choses, de copies, de formats, et en fin de compte, l'explication vient du fait que certaines émissions enregistraient bien les communications entre Apollo et Houston, et dans les enregistrements originaux, il y avait bien des blancs. Parce que le temps que y a la parole des astronautes qui arrivent jusqu'à Houston, qui comprennent, qui mettent éventuellement un blanc, et puis après qui répondent, il y avait des délais de 3 à 7 secondes, en fin de compte. Mais comme c'était des documents commerciaux, ils ont coupé les communications. Et c'est D'accord. pour ça qu'elles sont inférieures à une seconde. Donc c'est ce genre de nouveaux arguments qu'il faut étudier un par un, justement, quand on veut étudier ça, quoi. Et répondre qu'en réponse, Oui. si possible, il y a. Qui sait les réponses, il y a. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque ce soir, c'est les curiosités lunaires qui nous intéressent, et pas le fait de savoir si on allait sur la Lune, même si j'aime bien nos petites digressions, c'est toujours intéressant. Mais là, on rentre dans le vif, avec un premier exemple de curiosité lunaire. La cité lunaire nommée Valverk. Voilà, donc c'est un astronome allemand, Franz von Paula Gruithuisen,
qui a fait des déclarations fracassantes, c'était au 19e siècle, en disant qu'il avait trouvé une ville lunaire, qu'il appelait Valverque, et dont on voit le croquis ici. Alors, ça a été accueilli avec beaucoup de scepticisme à l'époque, parce qu'on doutait qu'il puisse y avoir des villes sur la Lune. Et en fin de compte, plus tard, des astronomes ont pointé la région sur laquelle ils croyaient voir une ville. Et bien qu'on voit que les éléments qui y figurent, ça ressemble à ces croquis, ça a l'air tout à fait naturel. Parce que pour dessiner ses croquis, il s'est appuyé, cet astronome allemand s'est appuyé sur la photo qu'on voit à droite. Je ne sais pas ce qu'il voyait à l'époque dans son télescope, mais c'est la région qu'il a vue. C'est à partir de cette région-là, il a peut-être vu moins bien que. Parce que ça, c'est une vision actuelle. C'est fait avec des télescopes actuels. Il a vu plus ou moins ça, il l'a retracé avec son croquis. D'accord. Parce qu'on voit que c'est le même endroit. On Oui, c'est le même reconnaît endroit. certains. Il y a des traits, il y a un cratère en bas du cercle blanc qu'on reconnaît bien. Mais de là à en déduire le croquis qu'on voit là, ça paraît un peu extrapolé. Mais je sais pas si c'est basé Bah, sur. on retrouve le cratère, on trouve le cratère en bas, on retrouve la tige, les espèces d'arêtes sur les côtés. C'est ça. Donc effectivement, ça ressemble, mais quand on le regarde comme ça, ça n'a pas l'air artificiel. Mais lui, en raison peut-être de la faiblesse des télescopes de l'époque, il a peut-être vu une ville. D'accord. J'ai une question sur le chat qui me semblait intéressante. Je te la soumets, Franck. Alors, je la retrouve pas. Top, qui l'a... Oui, c'est Purple Alien qui nous demande, est-ce qu'il est vrai que les cratères ont la même profondeur sur la Lune, quel que soit leur diamètre? Ben, on va pouvoir le vérifier avec les photos et les photos que je vais vous montrer, parce que je vais vous montrer beaucoup de cratères et d'anomalies sur les cratères ce soir. Et en fin de compte, ben, vous allez voir qu'ils ont des. J'ai pas mis à chaque fois les profondeurs, mais il y a des profondeurs très variables. D'accord, donc fausse information qui... Par exemple, ben, entrons dans le vif du sujet avec la première, là, les cratères simples, convexes et anneaux multiples. Donc là, je vais vous parler surtout pourquoi est-ce qu'on a des cratères de différentes formes sur la Lune? Alors, par exemple, les cratères simples, bon, c'est les plus courants, et celui-là, cratère simple Encke, c'est comme quand sur une eau, sur l'eau d'un, sur une bassine d'eau, on jetterait une bille, bah, l'impact, le cercle d'impact va se déplacer dans toutes les directions en même temps, Oui, comme de manière homogène, en faisant un et cercle quasi circulaire. parfait. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle de base. Ensuite, on a les cratères qu'on appelle complexes ou anneaux multiples. Alors déjà, vous remarquerez par exemple sur le cratère Tycho et Copernic, vous avez au centre de ce cratère un pic central. Ils peuvent être hauts, là. Par exemple, sur celui de Tycho, là, j'ai mis la photo, il fait 2 km de haut. Et Le pic central? oui, le pic central fait 2 km de haut. Le diamètre central de Tycho fait 82 km. Ah Et le pic, oui, ramener. 2 km de hauteur. D'accord, oui, ramener à l'échelle, c'est moins frappant. Quand on parle de pics, c'est des massifs montagneux. Ah oui. Et en fait, quand l'explication courante, alors là j'ai mis une source d'étude, c'est-à-dire que quand il y a un impact, bon ben voilà, ça écarte le sol, et il y a un phénomène de rebond qui se crée et qui peut créer ces pics centraux qu'on voit de manière assez courante. D'accord. Donc faut pas s'étonner dans certains cratères de voir ces choses, même si des fois elles ont des formes un peu bizarres. Oui, on va voir plus tard que ça peut susciter Oui. parfois des formes qui nous rappellent des formes bien connues par chez nous. Okay. Alors là, par contre, pour revenir à la question de Purple Alien, on a les diamètres, mais on n'a Ah pas de oui. profondeur sur les... On verra peut-être un peu plus Alors. tard, mais on n'a pas la profondeur des cratères. Oui, alors par contre, de toute façon, il y a une manière bien simple de le voir. C'est qu'en fin de compte, les cratères, beaucoup de gens ont fait des études sur les cratères et ont indiqué leur diamètre et leur profondeur. Par exemple, il y a des cratères qui sont beaucoup plus profonds. Alors je vais vous en trouver d'autres après. Hein. Oui, bon, Quand on on y reviendra un peu plus ira tard en là-dessus, mais par déroulant le exemple, diaporama. le cratère Messier fait 1,3 km de profondeur, ce qui n'est pas énorme. Il y en a qui sont beaucoup plus profonds. Donc, pour la réponse à la question, il suffit d'aller voir dans les catalogues de cratères et en général, il y a toutes leurs caractéristiques qui sont mentionnées. En concernant les profondeurs et les largeurs, elles ne sont pas forcément exactes au kilomètre près. Hein.
Parce que je me suis aperçu que sur les photos spatiales, c'est parfois difficile de bien mesurer exactement. C'est pas Google Earth. Oui, c'est pas beaucoup. Alors, si on continue concernant les cratères rectangles, octogonaux, polygonaux, hexagonaux. Là, c'est déjà plus surprenant. Ah Tout oui. de suite, c'est des formes qui nous font penser à des choses artificielles. Tout à fait. Alors, par exemple, bon, là, j'ai mis un exemple. Alors, quand vous voyez, pour se repérer sur les images, quand vous voyez cliché AS, ça veut dire que c'est un cliché Apollo. Et quand il y a le numéro après, c'est le numéro de la mission. Donc là, on est sur un cliché de la mission Apollo 8. En général, y a pas de, y a quelques fausses photos Apollo qui circulent, bon, qui n'ont pas été trafiquées par la NASA, mais qui ont été trafiquées par d'autres personnes. Mais c'est quand même pas fréquent. Alors, c'est comme on parle des critères hexagonaux. Alors, il y en a qui disent sur Internet que, par exemple, cette image de Lunar Orbiter 3 en haut, elle est que c'est une base extraterrestre. Alors, avant d'en venir Parce que hectagonal, à ce qui est octogonal. octogonal, alors d'abord, il y a une chose qu'on vient de faire, c'est de la mettre à l'endroit. Parce qu'il y a une particularité sur tous les cratères que vous remarquerez, c'est que si vous prenez l'image d'un cratère et vous l'inversez à 180 degrés, bon, en vrai, vous l'inversez, On a eh l'impression bien, que le relief est inversé aussi. voilà, c'est ça. Ça, j'ai vu sur le livre, j'étais un peu. Je me suis dit, il faut que j'en parle à Franck ce soir, est-ce que j'ai bien compris? C'est assez troublant, puisque sur la première image, on voit bien que c'est un cratère. Sur la deuxième, on a l'impression que c'est un monticule. Voilà. Et c'est ceux qui prennent l'image du monticule qui disent que c'est une base extraterrestre. Bon. Comment on l'explique ça d'un point de vue optique, que le C'est des fait règles de... optiques. D'accord. C'est des règles optiques. Et vous allez voir, j'ai fait plusieurs tests ce soir. Ça marche à tous les coups. Vous prenez n'importe quel cratère, du moment que ça ressemble à un orifice ou à un dôme, vous le mettez à 180 degrés, ça va vous faire l'inverse, quoi. Donc, expérience assez facile à faire à la maison. Vous prenez une Ah oui. photo, vous retournez le livre vous allez avoir l'impression qu'on a un relief qui est en fait une dépression. Oui. Donc là, donc il faut savoir ce que c'est, et c'est une dépression. C'est un cratère hexagonal, et puis on verra après pourquoi. Ici, le cratère Lobachevski, bon, il y a eu des polémiques là-dessus parce qu'on a une espèce de trou, et puis après, on a un dôme avec une ombre, mais on n'a rien, pour l'instant, rien de plus particulier là-dessus. Alors, pour vous montrer. Ça reste quand même des photos d'une qualité qui permettent pas vraiment de se faire une avis. Est-ce que la NASA ne garderait pas pour elle des photos de bien meilleure qualité? Oui, alors c'est une question qui est régulièrement posée, c'est la qualité des photos de la NASA. Et on va aborder ça un peu plus en détail, mais bon, déjà, je peux vous dire que ça dépend des missions. Parce que, par exemple, on a eu au sein de la NASA, on a eu Clémentine, on a eu LRO. On a eu Kaguya pour la sonde japonaise. Et Kaguya et LRO sont censés être les meilleures résolutions. Mais ça dépend de l'altitude aussi. Et puis, faut dire que malgré tous ces moyens déployés sur la dernière sonde, c'est pas terrible. Hein, on ira au plus près. Je vais vous montrer des photos les plus près possibles du sol pour voir ce que ça nous donne en qualité. Puis comme ça, vous pourrez juger. D'accord. Puis s'il faut, on fera une petite campagne participative, on achètera un bon Polaroid aux équipes de la NASA, on leur enverra par colis postal. Oui, parce que pour résoudre cette question, j'ai beaucoup réfléchi. La meilleure solution que j'ai trouvée, c'est d'ouvrir une cagnotte pour que la NASA puisse acheter des caméras de meilleure Des qualité. bons Kodak jetables à l'ancienne. Alors, je poursuis. Donc là, on était sur les cratères rectangles, octogonaux et polygonaux. Donc ici, c'est juste deux exemples de cratères, on va dire atypiques. Alors, il y a le cratère Banachevisk, qui est, bon, là, hexagonal. Mais ça vous donne une petite idée. Et le cratère Arago. Cratère Arago, c'est un hommage à l'astronome français du 19e siècle. Et bon, qui est juste un peu, on va dire, en forme de cœur. Il y en a d'autres comme ça en forme de cœur. Et sur Mars, si vous voulez un cratère en forme de smiley, vous pouvez aller voir le cratère Gale, GA2LE. Et c'est D'accord, il y a un smiley sur Mars. Il y a un smiley sur Mars. Alors là, sur le deuxième, le cratère Arago, on ne voit même pas s'il s'agit d'un relief ou d'une dépression. C'est un peu... Ah oui, il faut l'inverser, oui. Alors, d'accord, tournez l'écran, les amis.
Tourner. Ma tête, Si vous êtes sur je clique smartphone, droit, si vous êtes sur smartphone, ça sera plus simple. à copier d'écran, ensuite clic droit, rotation à 180 degrés, et ça le fera. Tout simplement. Alors, ces cratères hexagonaux, voilà une étude scientifique qui explique pourquoi est-ce qu'on en trouve. Alors, le principe, c'est que le basalte, qui est les roches volcaniques lunaires, sont de nature alvéolée, comme la ruche des abeilles. Et des études scientifiques disent que quand il y a un impact, une onde de choc dans un milieu alvéolé, il se déplace de manière particulière, comme c'est indiqué sur le schéma. Et là, donc, c'est aux Pays-Bas, une étude dans les années 80, New Explanation for Axonal Shape of Lunar Crater. Et ici, ils ont fait un test. Alors, il s'est quand même bien ennuyé parce qu'il a pris 1400 petits morceaux comme ça, alvéolés, qu'il a collés, et puis il a envoyé un impact dessus pour voir ce que ça donne. Et ça, c'est une première explication. Voilà pourquoi on trouve des cratères hexagonaux sur Mars, Donc, sur la Lune, si je pardon. résume l'expérience de ce monsieur, de ce chercheur hollandais, donc là, à gauche, en haut, on a les morceaux disposés avant l'expérience, Ah oui. on lâche un impact dessus, et en dessous, ça donne ce résultat, Ah oui. qui est quand même assez bluffant, et c'est là qu'on se rend compte que la nature et les lois de la physique obéissent à des règles géométriques particulières, Ah oui. qui peuvent faire penser à des choses artificielles et faites de main d'homme. À ça s'ajoute le fait qu'en fait, quand une onde de choc peut être atténuée selon la dureté du sol, si elle commence à rencontrer des éléments un peu plus denses. Et il y a aussi le fait que si vous avez un cratère sur la Lune et qu'il y a un autre impact qui va se faire après, à proximité, cet impact peut provoquer des affaussements de couches de matière ou de régolithes. Le régolithe, c'est la poussière qu'il y a sur la Lune ou la matière. D'accord. Avant qu'on poursuive, je prends un commentaire qui m'a fait beaucoup rire. Il y a Francis qui me dit, Guillaume cite souvent des marques, il est intéressé, point d'interrogation. Effectivement, j'ai cité Big, j'ai cité Kodak, Polaroid. J'ai envie de dire Francis, si j'avais des contrats avec quelques marques que ce soit, déjà je vous le dirais. Et de deux, je pense que je passerais des contrats avec des marques style Ferrari, Porsche, même si j'aime pas les voitures, des trucs qui rapportent un peu plus d'argent, voire des guitares Gibson ou Fender, ça me va très bien. Voilà, trois marques de plus à mon catalogue. J'attends les propositions de contrat, merci Francis. On poursuit sur ces cratères Bon, avec les je cratères. précise qu'aujourd'hui on parle de la NASA, mais elle ne nous a pas payé pour faire Pas ça. encore, mais si la NASA veut nous faire un petit don à Nuria TV, on est preneur. Elle m'a juste dit en début d'émission, Franck, si vous arrivez à les convaincre qu'on est bien allé sur la Lune, on vous offrira un t-shirt. Ah, eh ben on verra prochaine émission si tu as un t-shirt NASA, c'est qu'on sait que tu es un vendu. On poursuit sur ces cratères. Donc là, maintenant, on a l'explication de ces fameux cratères hexagonaux. Et je pense que l'expérience parle d'elle-même. Il n'y a pas à chercher plus loin. Les prochains cratères, c'est cratère Messier et Messier A. Je te laisse nous en parler. Alors, ces deux-là, ils ont beaucoup intrigué les astronomes et depuis très longtemps. Parce que dès le 18e, 19e siècle, même avant, on les avait repérés. Et ils ont une forme assez particulière. Franz Pola Gruithuysen, toujours lui, imaginez que les stries parallèles donc qu'on voit sur la photo en bas à gauche autour des cratères étaient d'origine artificielle. Mais en fin de compte, ces stries, c'est ce qu'on appelle des éjecta. Un éjecta, c'est toute la matière projetée lors d'un impact. Et ça peut être de la matière qui se situe bien au niveau du sol. Et ce qui explique les couleurs blanches. Néanmoins, Franz Pola von Gruithuysen, même s'il imaginait beaucoup de choses, il était quand même reconnu comme un très bon astronome et ses travaux de l'époque étaient réputés. Après, bon, il était question d'un tunnel naturel entre deux cratères, mais c'est vraiment en 78 qu'on a commencé à avoir l'ébauche d'une solution, quand des scientifiques ont commencé à faire des calculs disant que c'était dû à un météore à un angle très bas. Comme si ce météore, il évolue en parallèle quasiment du sol. Ouais, il frôlait le sol avant l'impact. Voilà. Et donc, ça a créé une trace d'impact très allongée.
et qui donc Messier et dont la roche a rebondi sur Messia. D'accord. Lequel est Messier et lequel est Messia? Messia, Messier, c'est si on prend la photo en haut à gauche. Messier, c'est celui qui est en forme d'amande, le premier à gauche, D'accord. Et le et deux. Messia, c'est celui qui est plutôt rond quand même. D'accord. Et ça, c'est le même météorite qui a fait les deux impacts. Ah oui, d'après les études, oui. D'accord. Et il y a même un chemin lunaire, j'en parlerai plus tard, mais sur Messia, on le voit à l'extrémité. Mais bon, poursuivons Ok. sur les éjecta, puisqu'on y était. Alors, donc, voilà quelques exemples d'éjecta. Et on remarque une chose, c'est qu'il y en a qui sont vraiment énormes, quoi. Si on prend Tycho, vous voyez que les traces de l'impact de ce cratère s'étalent sur une partie conséquente du corps céleste. Parce que c'est des météores qui peuvent arriver jusqu'à 200 000 km par heure. Certains de ces météores, et peut-être même Tycho, auraient pu provoquer une extermination sur Terre s'ils étaient tombés sur notre planète. Et donc, ces éjectas sont parfois aussi source de certaines confusions parce qu'ils changent la couleur autour du cratère. Elle peut être beaucoup plus blanche parce qu'elle est, comme c'est des roches qui viennent du sous-sol, elles ne sont pas encore noircies par certains phénomènes. Comme les vents solaires ou d'autres. Donc, ça peut provoquer aussi des illuminations. D'accord. Alors ce que je me demande, c'est quand on se place de l'autre côté du prisme et qu'on imagine qu'on a affaire à des choses étranges qui n'ont pas d'explication rationnelle, quelle explication on peut donner à ça si on ne croit pas à l'explication naturelle et physique qui est celui d'un impact météoritique, de météorites? Je vais prendre un exemple concernant ces éjectas. Il y a des astro dans des catalogues scientifiques, comme le rapport TR-R277 de la NASA, qui regroupe des phénomènes lumineux inexpliqués et d'autres. Et dans d'autres sources scientifiques, il y a des astronomes dès le 19e siècle, et même après, qui nous disent qu'il y a des cratères qui changent de taille. Donc ça, c'est officiellement strictement impossible. Un cratère ne peut pas changer de taille. Donc, il a été déduit qu'il pourrait y avoir plusieurs explications. Si toutefois il y a une explication naturelle, parce qu'il y en a certaines, ce n'est pas bien déterminé. Soit ça peut être un phénomène qu'on appelle les phénomènes lunaires transitoires, qui peuvent masquer les cratères. Et encore sur CPLT, on n'a pas encore bien compris à quoi ça pouvait être dû, même s'il y a plusieurs explications possibles. Ou hypothèse numéro 2, s'il y a un cratère qui augmente de taille, comme le cas du cratère les cratères Linné, Li2NE, c'est un petit cratère de 2,5 km de large qui est entouré d'auréoles très blanches. Et donc, quand ces auréoles d'éjecta sont illuminées par le soleil, ça peut donner l'illusion qu'il augmente de taille. D'accord. Mais on reste dans l'illusion optique. Oui, pour les changements de taille de cratère, ça pourrait être ça. Oui. D'accord. Mais ne croyez pas qu'on trouve des explications à tout. Ah non, non, bah. Hein. Ouais, On a beau chasser de mystère, et il revient toujours. parce que... bah tiens, je vous en montre un sur le volcanisme. Le volcanisme lunaire. Bon, on sait qu'il y avait une énorme période volcanique, donc il y a 3,1, 3,9 milliards d'années, ce qui a constitué la plupart des mers lunaires qu'on a vues tout à l'heure. Cependant, il y avait des interrogations jusqu'au XXe siècle pour savoir jusqu'à quand avait eu lieu ce volcanisme. Et des études récentes donc, que j'ai mises ici avec les références de la NASA considèrent que le volcanisme pourrait être beaucoup plus récent qu'on l'imagine, c'est-à-dire jusqu'à 18 millions d'années. On va dire ça ne change pas grand-chose parce que l'humanité n'existait pas à cette période-là. Vu de notre point de vue à nous, effectivement, ça paraît pas changer grand-chose, mais ça fait une belle différence. Voilà les sources qui indiquent ça. C'est les derniers travaux que j'ai vus sur le volcanisme, Nature Géosciences et ceux de la NASA. Cependant, il y a un petit problème, c'est-à-dire que dans le catalogue TR-R277 dont je vous parlais, il y a des astronomes réputés qui, au 19e siècle et même au 20e, disent avoir vu des éruptions volcaniques sur la Lune. Ah Donc, oui, oui. là ça devient intriguant.
Oui. Alors, une des pistes pourrait être ces PLT, phénomènes lunaires transitoires, qui sont soit, comme on l'avait dit, des obscurcissements inexpliqués, ou alors au contraire des luminosités inexpliquées, et des luminosités de toute couleur. On a du vert, du bleu, du rouge, il y en a qui se déplacent, il y en a qui sont en point, il y en a qui clignotent, il y en a qui flashent. Et Et là-dessus, on n'a pas d'explication. aussi, alors déjà, avant de donner des explications, on peut les dénombrer. Et dans ce catalogue qui est en libre accès, de mémoire, il y en a 570, entre 1540 et 1967. Et à ça s'ajoute. Donc, en fin de compte, dès qu'on a découvert les lunettes astronomiques au XVIe siècle, il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'on voie des lumières étranges sur la Lune. Ça a été direct. Et après, on s'aperçoit que c'est des astronomes qui sont réputés. Il y a Pickering, par exemple, il y avait Schroter et d'autres, enfin, pour ceux qui les connaissent, et qui signalaient ce genre de phénomène. Et à répétition, parfois, dans certains lieux, comme le cratère Aristarque. Donc, ça serait un peu trop long d'aborder ça ce soir, parce qu'il fallait que je vous montre les photos, les sources, les extensions de catalogue, parce qu'il n'y a pas eu que celui-là, les différentes explications. Et il y en a aussi qui sont à comportement intelligent, donc on n'arrive pas à les. On n'arrive pas à trouver d'explications simples. Mais la plupart du temps, on pense que c'est la. Que une des explications classiques, ce serait des remontées de gaz souterrains qui seraient illuminées par le soleil et donc qui provoqueraient ces variations de luminosité. Ouais. D'accord, mais s'il y a comportement intelligent, on n'est plus dans les remontées de gaz, on est bien Non, d'accord. on n'est plus dans les remontées de gaz. Donc il y a un point à éclaircir là-dessus. Je prends l'exemple en 1958, il y a un astronome russe qui s'appelle Kozyrev qui a observé pendant une trentaine de minutes une couleur rouge. Et donc après, comme il avait un spectromètre, il a pu constater qu'il y avait mesuré il y avait une émission de gaz en même temps. Donc dans ce cas-là précis, on peut en déduire que c'est le gaz. Dans d'autres cas, on pense que ça pourrait être dû à des fluorescences diverses ou autres. D'accord. Mais on n'a pas toutes Bah, les je rappelle explications. que sur Terre, on a des phénomènes qui, il y a quelques siècles encore, étaient difficilement explicables. Les aurores boréales avec des couleurs à foison. Au début, les premiers hommes qui ont dû tomber là-dessus ont dû se dire c'est quoi les dieux qui se manifestent ou quelque chose dans ce genre-là. Ben justement, c'est dû aux barrières magnétiques dont on parlait tout à l'heure. Les fameuses. Les aurores boréales. Alors après, on peut parler des dômes, comme on parlait des cratères, faire une petite digression pour dire qu'il y a des dômes aussi sur la Lune. Ils sont pas très hauts en hauteur, mais on en trouve des centaines. Et là, ça c'est dû à du matériau volcanique, selon les explications et les hypothèses des scientifiques. Donc ça serait un peu l'équivalent sur la Lune de notre puits de Dôme en France? Ben oui. D'accord. Tout simplement. Mais on n'a pas l'impression d'avoir affaire à un cratère. Là oui, du coup je l'ai pas mis à l'envers celui-là. Mais D'accord. alors retour sur le cratère parce qu'il y a encore d'autres bizarreries. Alors ici, oui, alignement de cratères lunaires. Alors déjà, pareil, l'endroit ou l'envers. Donc ceux qui sont en haut, à gauche et à droite, c'est sous forme d'orifice. Mais si vous les inversez comme j'ai fait en bas, bah, du coup, ça apparaît sous la forme de dôme. Là, c'est assez flagrant, quoi. Alors, il y a Purple Alien qui nous dit, je retourne mon écran et ça ne fait pas un trou là. Il parlait des dômes qu'on a montrés avant. Parce que Ah oui, d'accord. juste avant, on n'avait pas affaire à des cratères, mais à des dômes créés par la croûte terrestre lors d'une éruption volcanique. Mais si on revient sur cela, ça marche toujours, ce que tu nous disais tout à l'heure, effectivement. Faut que ce soit un orifice, que ça ressemble vraiment à un orifice. Oui, il faut que ça Et. soit une dépression pour avoir l'illusion Ah oui. d'optique si on l'inverse, qu'on a affaire à un relief. Ça marche pas dans le sens inverse quand on a un relief réel, un vrai relief. Si on tourne l'image, ça fait pas une dépression. Mais s'il y a un opticien qui nous écoute ce soir, il va sûrement pouvoir nous expliquer ça avec les formules scientifiques. Ben, il va falloir qu'on trouve un opticien pour venir faire une émission. Donc on revient sur ces cratères et là on a affaire à des cratères, des alignements de cratères, ça reste des formes géologiques assez surprenantes. Alors sur Internet, j'ai vu une ou deux personnes qui disaient que c'était des tirs d'armes extraterrestres.
Mais il y a des explications plus simples, en fin de compte, pour ce cas-là, en tout cas. Mais il va falloir en voir plusieurs. Déjà, on remarque bon, qu'ils sont particulièrement bien alignés. C'est ça la curiosité, en fin de compte, ici. On a, ils sont alignés et bien rapprochés, quoi. Et quand on les regarde de près, donc l'image inversée, on voit qu'ils sont bien près, mais il n'y a pas de. On a l'impression quand même que c'est naturel si on voit les orifices. Il n'y a rien qui nous indique une anomalie. Après, la question, c'est qu'est-ce qui naturellement crée ce genre d'alignement? Bon. Alors pour essayer d'en avoir plus. Ça, c'était David Catena, mais on peut l'en voir des suivants. Ça nous donnait déjà plus d'informations. Alors ici, il y a le cratère Los Tres Amigos. C'est un cratère, un triple cratère. Les scientifiques donc, qui l'ont étudié considèrent que c'était fait dans un intervalle très court. Et ici, on voit les traces d'éjecta aussi. Donc ça nous montre juste qu'on a des cratères rapprochés, voire des cratères rapprochés. Oui, mais là, soyons bien d'accord, sur ces trois cratères des Los Tres Amigos, c'est trois impacts différents, ou alors c'est le même météorite qui a rebondi et qui, par une forme de ricochet, a créé ces trois cratères. Si je me souviens bien, on considère que c'est trois impacts différents. Et donc, le hasard a voulu que ces trois impacts soient alignés, parce que si on revient à l'image juste avant, là, c'est plus trois impacts qui sont alignés, on en a une bonne quinzaine Ah qui oui. seraient alignés naturellement. Bon, en fin de compte, là, l'explication, c'est-à-dire que pour obtenir un tel effet, il faut qu'il y ait un météore qui se disloque et que les fragments suivent le même chemin, quasiment, qui D'accord. suivent, quoi. Mais je vous en dire un peu plus. Alors après à droite, on a une photo de Luna recherche orbiteur. Alors là, c'est pas une ligne droite, mais c'est quand même des impacts consécutifs. On appelle ça aussi les colliers de perles. Et en dessous, on a un autre exemple. Alors j'ai mis les largeurs, 2,6 km, une chaîne de cratères près d'une rille. Les rilles, ça s'appelle des rimes. Des rimas. Je vous montrerai ce que c'est plus tard. Donc ça, c'est des exemples. Et on en trouve d'autres dans l'univers. Enfin, en tout cas, dans notre système solaire. Oui, il faut mieux que je précise notre système solaire parce qu'on ne peut pas aller voir pour l'instant ces exoplanètes. Alors, je prends l'exemple de Jupiter. Donc Jupiter est une planète donc, qui n'est pas tellurique, qui est gazeuse. Et elle a quatre satellites galiléens, parce qu'ils ont été découverts tout simplement par Galilée, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et sur certains d'entre eux, bon, on trouve encore des chaînes de cratères alignées. Donc là, il y a Jupul-Gatenna, alors celle-ci s'étend sur 620 km, sur Callisto, et puis après Encke sur Ganymède. La photo n'est pas d'excellente qualité là. Mais bon, on voit que sur 200 km, il y a un alignement quand même assez étonnant, quoi, parce que là, il se suit vraiment la queue leu-leu. Bah, sur le cratère de Jipul-Katena, on voit bien que cet alignement de cratères, les cratères, ils ressemblent à tous les autres cratères qu'il y a autour. Mais ce qui est encore surprenant, c'est cet alignement, cette ligne droite parfaite de cratères. À première vue, tu vois, j'arriverai en tant que néophyte sur le dossier, j'en viendrai pas imaginer que ça a été fabriqué ni par l'homme, ni par une civilisation exogène intelligente. Mais je serais bien curieux de savoir quel phénomène naturel fait qu'on a un alignement aussi parfait de cratères. Bon, il y a une ébauche de réponse sur la prochaine, D'accord. parce qu'il y a un phénomène qui a permis d'étudier ça un peu plus près, c'est-à-dire qu'en 1994, il y a une comète qui s'appelle Schumacher-Levy, du nom de ses découvreurs. Qui s'est fragmenté et qui a été s'exploser sur Jupiter. Et l'événement a été suivi de très près, et ce qui nous a permis de comprendre comment on arrivait à avoir des impacts concentrés. Et en fin de compte, c'est sous l'effet de la mécanique céleste et de la gravité, ce qu'on appelle les forces de marée. Bon, bah, effectivement, un météore peut se fragmenter, et dans ce cas-là, les morceaux peuvent se suivre de près et aller frapper une zone proche, quoi. C'est D'accord. ça l'explication générale scientifique qui est donnée. C'est vrai que la photo en haut à gauche est assez parlante de ce météore qui s'est fragmenté et qui vient en impact c'est comme si la ligne droite entière venait en impact sur l'astre.
Alors là, ça fait du grabuge, hein, ça, parce que bon, ça a été pris en photo. On a un impact de 12 000 km de l'âche sur Jupiter. Heureusement qu'on ne s'est pas pris sur la Terre. Sinon, on aurait vu la trace sur le tiers de la planète. C'était un impact d'une violence phénoménale. Heureusement que Jupiter a fait l'aspirateur, un météore dans ce cas-là. Ben voilà, nous avons notre explication. Merci Franck. Et comme on parle souvent d'anomalies, de structures et autres, là j'ouvre ce dossier, mais juste avec quelques exemples, parce que comme je disais, on pourrait en étudier des centaines. Donc concernant le pont lunaire, alors c'est une affaire qui a fait du bruit. Ça passait en 1953, il y a un astronome américain nommé O'Neill qui a déclaré avoir découvert un pont de 12 miles. Un mile, c'est 1,6 km. Sur Mare Crisium, la mer des Crises. Et donc je ne sais pas si c'est bien visible sur les photos, mais Ouais, en moi fin j'ai eu du mal sur la de... photo à voir, à distinguer un pont quelque part, mais... Oui, alors après, peut-être la plus claire, ce sera les deux dernières qui ont été reconstituées, où là on explique pourquoi c'est une méprise. C'est parce que c'était deux promontoires naturels, Olivium et Lanivium, qui semblaient se rejoindre. Mais ces deux promontoires, en se rejoignant, donnaient l'illusion qu'en fin de compte, c'était continu et que c'était un pont. D'accord. Alors, l'intérêt de ces anomalies, c'est de pouvoir les localiser. C'est la base. Quand on vous dit, bah, il y a une structure bizarre à tel endroit, la première chose à savoir est-ce qu'on peut localiser l'endroit, à côté de quelle mer, à quelles coordonnées, sur quelle photo exactement. Et là, ça permet de commencer les recherches. Alors, si on passe au dossier suivant, on peut parler des croix sur la Lune. Les croisés seraient allés jusque sur la Lune malgré Oui. la ceinture de Van Allen, c'est ça. Et on commence avec C'est l'explication la plus rationnelle. la croix de Curtis. Donc encore un astronome qui dit repérer une croix. Donc là, je vous ai mis plusieurs articles, Nexus, Sky and Telescope. Donc elle a bien été prise en photo, elle a été reprise en photo, ça c'est pas un problème. Et à l'époque, il y a eu deux hypothèses qui ont été avancées, donc soit des crêtes ou des sommets illuminés par la lumière du Soleil, ou alors un phénomène lumineux transitoire. Comme c'est un phénomène qui est persistant, ça peut pas être un phénomène lumineux transitoire, donc ils sont partis plutôt sur d'autres hypothèses. Mais on peut regarder encore une photo, parce que vous-même, vous pouvez trouver la croix de Curtis. Et même une autre, la croix de Tycho. Est-ce que vous voyez ici la zone d'ombre, la ligne noire qui sépare l'ombre et la lumière s'appelle le terminateur. Et c'est sur un corps céleste ce qui différencie la partie éclairée de la partie non éclairée. Le Terminateur. Oui. Alors donc on va en voir d'autres, des croix. Donc là c'était celle du site de Jerry Rodrigues. Et pour voir. Alors ça s'appelle le X lunaire aussi. Aussi appelé X de Vermeer. J'ai mis des flèches bleues. Et effectivement, quand on observe ça au télescope, ben voilà l'effet que ça peut donner. Mais on a pu réussir à trouver les solutions, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une formation géologique qui, sous un certain angle d'illumination, donne ces effets-là. Donc un peu comme les croix qu'on a vues précédemment. Oui. Et en fin de compte, des croix comme ça, vous en avez un sacré paquet sur la Lune. Il n'y a pas que ces deux-là, on peut en trouver régulièrement. Alors c'est vrai, autant le X lunaire donne pas une impression ultra régulière, donc on en vient vite à déduire que c'est de nature naturelle, bien joué Guillaume. Avant, je reviens sur les croix de Tycho et de Curtis. Là, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des figures Ah oui. géométriques avec des angles droits, et c'est d'autant plus troublant. Oui, dans ce cas-là, il faut trouver la zone et l'agrandir pour voir à quoi on a affaire. En tout cas, ces affaires-là sont considérées comme résolues.
Alors après, je vous parlais des rilles, et en fin de compte, on voit ce que c'est des crevasses ou des sillons sur la surface lunaire. Donc, on en voit très souvent. Alors, par exemple, ça, c'est le cratère Gassendi. C'est peut-être. Là, c'est une vue rapprochée du cratère, mais si vous le regardez avec d'autres photos vues de haut, ça sera peut-être plus flagrant pour celui-ci. Et donc, c'est considéré comme étant des failles naturelles, des coulées de lave ou des effondrements de tunnels. Alors, par exemple, Apollo 15 avait à Luni, à proximité, d'une de ces grandes rilles. Et d'ailleurs, la photo qu'on voit en bas à droite, Adler Eye, ça a été pris depuis l'engin spatial. Même si je trouve que ça fait un peu bizarre, quoi. On a pas l'impression que c'est. Là, par contre, l'extrémité, elle a une forme, on dirait pas naturelle. Ah, toi aussi tu te poses des questions alors. Oui. Alors après. Alors, juste avant Ah qu'on poursuive, je vais prendre une petite question si tu veux bien, oui. Franck. On reste sur le dossier de la Lune, mais avec une. En dehors des questions d'ordre géologique, c'est Sébastien qui te demande, est-ce que tu connais les Sélénites, le peuple de la Lune, enseigné par exemple dans les écoles primaires en Allemagne jusqu'au début du XXe siècle? Est-ce que cette thématique des Sélénites te parle ou pas? Oui, en fin de compte, les Sélénites, c'est les présumés habitants de la Lune. Et c'était imaginé depuis l'Antiquité, gens pensaient que la Lune était habitée. C'est l'équivalent martien des martiens sur la Lune. Voilà. Et au 19e siècle, même un peu avant, il y avait la question qui était posée, même si elle n'était pas très prisée des courants scientifiques. Par exemple, Camille Flammarion, dans un livre qui s'appelait L'astronomie populaire, se posait la question. Et il citait des anomalies vues par les astronomes, des anomalies de lumière, etc. Donc il y avait un mythe qui a commencé à s'instaurer au niveau des Sélénites, et dans la science-fiction aussi. Il y a le premier film de science-fiction, c'est le film de Méliès, Voyage vers la Lune, où il rencontre des Sélénites. Ouais, effectivement. Et donc. Maintenant, l'idée a été abandonnée. On ne pense plus qu'il y a des gens qui puissent vivre sur la Lune. Il y a des êtres vivants ne pourraient pas y survivre pour des questions de rayonnement cosmique, de température, de poussière, etc. Enfin, je développerai un peu là-dessus. Mais maintenant, c'est plutôt l'idée qu'il puisse y avoir des bases extraterrestres. Ouais. D'accord. Bon, merci pour l'info sur les Sélénites. Et effectivement, maintenant j'ai les images qui reviennent en tête sur ce fameux film de Méliès avec ce voyage sur la Lune. On repasse à nos rilles, comment tu prononces ça? J'appelle des rilles. Des rilles, oui, des rilles. Et là on a On dit deux. rima en anglais aussi, on dit. D'accord. Rilles, c'est pas mal. Rilles, c'est pas Oui, mal. rille, on peut garder ça parce il faut trouver un bon, il y a Et tellement. on passe sur deux autres exemples, le riz Ariadaeus et le. Riz et une riz sinueuse dans la vallée de Schroeter. Alors, sur cette première photo, là, il y a Ariadeus. Bon, elle ressemble vraiment à une autoroute. Bon, la différence entre les autoroutes lunaires et françaises, c'est que les autoroutes lunaires sont encore gratuites. Il n'y a pas Et de bouchon. il n'y a pas de bouchon. Pas qu'on sache. Et c'est vrai qu'elle fait vraiment linéaire. Et aussi, c'est fréquent qu'on en voit qu'il fasse plusieurs centaines de kilomètres comme ça. Et et après, il y a un autre exemple, une rille qui est plutôt sinueuse cette fois-ci, dans la vallée de Schroeter. Et je vais faire une petite digression pour vous montrer les mosaïques de photos, parce que ça, c'est assez courant dans les photos spatiales, c'est-à-dire que ce n'est pas des véritables photos panoramiques. Elle n'a pas été prise une seule fois, c'est des photos qui ont été assemblées. D'accord. Ce qui peut expliquer des fois à la jonction de deux photos des bugs qui peuvent laisser penser à des structures qui n'en sont pas vraiment. Y a ça. En fin de compte, ça soulève beaucoup de questions. Bon, ça veut dire qu'on n'a pas le panorama assez large pour prendre telle ou telle prise de vue. Ça veut dire qu'on n'a aucune garantie que les photos étaient bien alignées. On n'a aucune garantie que la photo 1 était simultanément prise avec la photo 2. On ne peut pas les considérer comme des véritables photos puisque c'est des assemblages. Ça, c'est la base pour ce qui concerne les polémiques sur les photos de la NASA déjà. C'est la base. Il y en a une autre, on en a un peu parlé tout à l'heure sur la qualité des photos, mais
Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose, c'est un fantasme que j'ai, mais j'ai l'impression que nous, sur Terre, on a des satellites. Quand je suis dans la rue, une agence secrète pourrait voir directement la marque de mes pompes. Je ne citerai pas de marque cette fois-ci pour ne pas susciter de doute. Voilà, on a l'impression de satellites qui ont une capacité à nous observer ultra précise, ultra pointue. Et on se dit qu'on n'arrive pas à reproduire ce même type de performance pour aller voir ce qu'il y a sur la Lune de manière détaillée et de manière très large. Là, on parlait de panorama. Il n'y a pas comme un quiproquo au milieu de tout ça. Ben justement, tu fais bien de le dire parce que je me pose cette question depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'à force de regarder des photos spatiales, bon, elles sont jolies, mais dès qu'on commence à faire des photos rapprochées, ça ne va pas. On n'a pas, à part quelques-unes, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, puisque nos satellites, qui sont quand même en orbite basse, quand même assez haut, hein, ils ont des vues beaucoup plus précises. Ils peuvent lire une plaque d'immatriculation, par exemple, Voilà. mais sur la Lune, on a du mal à voir des structures qui font plusieurs centaines de mètres de long, quoi. Donc il y a un bins là. Alors soit, donc dans ce cas-là, il faut faire. Je comptais poser la question à des spécialistes des sondes. Pourquoi est-ce que la sonde Hélérault et Kaguya, qui sont considérées comme les meilleures, nous fournissent pas des images plus claires, quoi? D'autant plus qu'il n'y a pas le problème de nuages sur la Lune. Donc il y a d'autres problèmes qu'on va voir aussi sur les photos spatiales. D'accord. Mais la question en tout, d'ailleurs, s'il y a des neurones qui ont la réponse, ou qu'il y ait des informations précises à cette question, pourquoi est-ce que les photos des sondes manquent tellement de précision, ben, c'est avec plaisir qu'on écoutera vos précisions techniques Ah oui, et il y a qu'on les certaines creusera. réponses. Si certains parmi vous ont les compétences pour répondre, n'hésitez pas à mettre sur le chat ou à nous envoyer un petit mail. Je ferai suivre ça à Franck. Il faut qu'on avance sur ces questions. Qui sont légitimes. Et on les reprendra dans d'autres émissions d'ailleurs. C'est comme ça qu'on avance. Bien entendu. Alors on poursuit toujours avec ces fameuses ri ou rima, et là il y a la rima iginus. Alors, Rima et Ginus. Bon, il n'y a pas de mystère ou d'anomalie sur celle-ci, pour une fois. Mais c'était juste pour vous montrer d'autres exemples. Et ici, vous avez la JAXA, qui est l'agence japonaise, qui a envoyé effectivement des sondes sur la Lune. Alors sur cette ri, la Iginus, on a l'impression qu'il y a ce phénomène-là de sentier Ah oui. auquel s'est rajouté un phénomène de cratère en ligne aussi. Alors, Oui, parce qu'on voit très bien qu'il y a des impacts de cratères. Il y en a un gros là aussi, donc c'est Iginus normalement. Je les connais pas tous par cœur. Hein. Pour revenir sur ces ris, parce que j'étais un peu distrait tout à l'heure, l'explication, quelle est-elle l'explication de ces chemins? Je vais te la montrer un peu plus précisément après. De toute façon, D'accord. là, on peut passer celle-ci. Là, c'est juste une rainure. Et passer à la photo suivante qui nous donne plus d'explications. Orifice, tube et tunnel de lave souterrain. Voilà. Et donc, c'est notamment la sonde japonaise Kaguya qui a permis d'abord de détecter des orifices. Et des orifices apparemment reliés. Donc, ils en ont déduit qu'il y avait des tunnels de lave souterrains sur la Lune. Alors qu'on l'ignorait au préalable. Il y a un article de National Geographic. Et en fin de compte, d'abord, ces tunnels, ou ces rilles peuvent être dus effectivement à des écoulements de lave qui ont creusé le sol. Ça peut être dû aussi à des effondrements de tunnels. Ça peut être dû à des effondrements dus au séisme sur la Lune. Parce qu'il existe des séismes qu'on appelle les moonquakes. On dit tremblement de terre, bon, mais il y a aussi des tremblements de Lune. On les a mesurés scientifiquement parce que lors de certaines missions Apollo, il y a des sismomètres qui ont été déposés sur la Lune et on a enregistré des séismes en série. D'accord. Les séismes peuvent avoir des conséquences géologiques aussi. Les tunnels de lave là dont on parle, c'est des tunnels qui sont juste sous l'écorce lunaire, où on peut avoir affaire à des tunnels qui sont quand même beaucoup plus profonds et qui nous ramènent à une thématique, pas la Terre creuse, mais la Lune creuse, qui est aussi une thématique qui est assez répandue sur la toile. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Et est-ce Ah qu'on peut oui. imaginer que ces tunnels soient une interprétation rationnelle de cette théorie de la Lune creuse?
Oui, parce qu'effectivement, ces tunnels ont beaucoup intéressé les scientifiques. On a calé au dossier, à la page suivante, je vais vous montrer pourquoi. Alors voilà déjà des vues rapprochées, ce qui répondra à un peu à notre question. Ici, sur la photo droite, on a une amplitude de 100 mètres. Ce qui vous donne une idée de la résolution. Mais bon, si la bande blanche qui représente 100 mètres, c'est insuffisant pour une plaque d'immatriculation, comme on en parlait, quoi. Ouais. Ici, il s'agirait d'une des meilleures que j'ai pu trouver. Donc là, ça veut dire qu'on a une entrée de tunnel de lave qui fait à peu près un tout petit peu moins de 100 mètres de Ah diamètre. oui, c'est ça. Et ça, c'est plusieurs entrées de tunnels de lave. Et depuis, il y a beaucoup d'études scientifiques dessus parce que ces tunnels de lave nous protégeraient contre les rayons cosmiques dont on a déjà parlé, de leur danger, des météorites, c'est mieux de ne pas s'en prendre sur la tête, des fortes variations de température, elles peuvent dépasser plus ou moins 100 degrés hein, sur la Lune, les variations de température, et aussi limiter les poussières parce que le régolithe a beaucoup ennuyé les astronautes quand ils y sont allés, parce que c'est une poussière qui est très fine, qui est collante, qui est abrasive. Les astronautes craignaient que ça s'infiltre dans les combinaisons ou à l'intérieur de la navette. Ça aurait pu endommager des appareils. Et accessoirement, c'est extrêmement toxique. Ça peut donner des cancers. Et même un astronaute, c'était Harrison Schmitt, un géologue, a développé une allergie à ça. D'accord. Donc, ces tunnels de lave pourraient offrir pas mal d'avantages. Et notamment, par exemple, là, il y a l'université de Purdue qui imagine des tunnels qui feraient 1 km de long et des dizaines de kilomètres de longueur. Donc on est pratiquement dans cette histoire On est de lune creuse, en tout de cas lune creuse, si on d'immenses veut. cavités qui pourraient abriter on ne sait quoi sous la Oui. surface de la Lune. Donc, effectivement, ça ouvre un champ très intéressant parce que qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose dans ces cavités? Alors, il y a des missions qui sont prévues, des missions de robots pour aller en explorer. Ils les regardent de plus près et ça ne pourrait pas uniquement servir qu'à des astronautes parce qu'on parlait de la théorie de visite extraterrestre. Voilà une excellente planque pour des extraterrestres. Des tunnels de lave géants. Ils sont assurés d'être protégés déjà, mais ensuite de ne pas être exposés à la vue humaine si c'est sur la face visible de la Lune. D'accord. Mais c'est vrai que le croquis qu'on peut voir en bas à gauche est assez impressionnant, puisque, en gros, si je comprends bien, on rentre la ville de Philadelphie Ah oui. dans un tunnel comme ça. Oui, ce qui m'étonne, c'est qu'ils mettent une échelle d'un kilomètre qui correspond à celle de la ville de Philadelphie. Alors, ils ont peut-être Ouais, pas pris la banlieue, peut-être, mais Philadelphie fait un peu plus de 1 km de large. oui. Mais déjà, 1 km, ça fait le beau souterrain, hein. Ah oui. Avant qu'on poursuive, encore une petite question. Cette fois, c'est mon ami Tojiro qui te laisse soumettre, Franck. Il revient sur les séismes que tu évoquais tout à l'heure sur la Lune et te demande par quoi sont provoqués ces séismes. Sur Terre, c'est l'activité volcanique. S'il y a des séismes encore aujourd'hui sur la Lune, alors que l'activité volcanique s'est éteinte, quelles pourraient être les explications à ces séismes? Bon, c'est une question qui n'est pas encore bien élucidée, totalement élucidée, mais on pense que ça pourrait être dû aux tensions gravitationnelles. C'est-à-dire que la Lune n'est pas toujours à 384 000 km de la Terre, et elle la suit selon une ellipse. C'est pas, son trajet n'est pas circulaire. Et donc, quand elle est vraiment à l'extrémité de la Terre, elle subit une tension de gravitation, et on pense que ça peut générer des moonquakes. D'accord. Et donc, les résultats de ces moonquakes, c'est que ça peut générer des fractures dans le sol, donc des remontées de gaz, des impacts donc, qui peuvent faire tomber des rochers, des impacts qui peuvent altérer la géographie, notamment. Ok. Merci, merci beaucoup pour ta réponse. Ensuite, alors, il y a quand même quelque chose qui m'a fait tiquer là, sur le trou. Donc, je l'ai agrandi sur la page suivante. L'orifice d'entrée de ce Ouais. tunnel de lave. Et sur cette entrée, bon, bien que ce soit pas très net, j'ai l'impression qu'il y a des rochers qui sont alignés. Mais
Et des fois, on trouve, je ne peux pas vous dire ce que c'est peut-être tout à fait naturel, mais des fois, on trouve ces bizarreries dans les trous. Je suis pas le premier à en avoir retrouvé. Où est-ce que tu vois des rochers alignés? Dans le trou, dans la zone d'ombre noire, à gauche, là, on voit des petits points. Et certains, bon, ça a l'air d'être des rochers, hein, mais ils sont Ah un oui, peu plus brillants, ouais, tu les vois feuilles. un alignement d'objets, Bon. qu'ils soient naturels ou pas. Oui. Moi, à mon avis, c'est plutôt naturel, mais je signale ça parce que c'est pas la première fois qu'on remarque des. Il y en a d'autres qu'on a trouvé des plus étranges que ça. Ah ouais, d'accord. Ah mais on va pas venir à bout de tous les mystères ce Ah soir, mais oui. on va. Franck nous donne déjà quelques outils pour mettre de côté ce qui ne doit plus l'être, ce qui n'a pas lieu de l'être en tout cas. Alors ensuite, LR, quand vous voyez LROC, LROC, c'est une option de la caméra, c'est la caméra de la mission LRO. Et les chiffres là que vous voyez, NAC, etc., ça c'est utile parce que ça vous permet de retrouver la photo. C'est une base. Si jamais vous voulez travailler sur des photos lunaires, effectivement, l'idéal, c'est d'avoir la référence de la photo, de la télécharger en haute qualité, parce que souvent on vous propose différentes qualités, et des erreurs viennent du fait que certaines ont été utilisées en basse qualité. Et puis il y a une deuxième chose aussi, c'est d'aller retrouver la même zone, mais avec d'autres missions spatiales. Si vous pouvez prendre les photos des missions Apollo et les comparer à celles des missions russes, mais aussi plus tard celles de LRO, de Clémentine, de Kaguya, et comme ça, vous aurez toutes les photos de la zone anomalique, et ce qui vous permettra déjà de résoudre certaines choses ou de ne pas les résoudre. Sur toi personnellement, sur quelle base de données, sur quel site tu te rends pour trouver ces photos et les avoir dans la qualité optimale que puisse trouver un lambda comme nous? Pour les sites, pour les photos des missions Apollo, celles qui commencent par AS, elles sont toutes référencées sur le site de la NASA en différentes qualités, ce qui est normal puisque c'est le pourvoyeur. Ensuite, il y a des sites qui sont spécifiques à LRO, et je vais vous les montrer, je vais vous donner les adresses tout à l'heure, pour retrouver certaines anomalies. Et sinon, il faut essayer toujours de se référer au site original de la sonde, quoi. D'accord. Je sais pas si je suis clair. Donc pour chaque mission d'une sonde, il y a un site en ligne dédié avec des archives photos de ces missions. Ah oui. D'accord. Bon, bah les Nuréens, pareil. Sauf les missions chinoises où il y en a très peu parce que elles divulguent très peu d'informations dessus. Ça reste secret. Bah, j'imagine que les missions récentes ne sont pas diffusées tout de suite. On est dans de la déclassification. Pour ce qui concerne par exemple le rover chinois, on a vu des photos où il sort de son habitacle. On a vu des photos avec une pierre un peu étrange, mais sinon ça s'est arrêté là. Ou D'accord. alors ils en ont diffusé d'autres, mais vraiment au compte-gouttes. Mais sinon, pour le reste des missions, Ah oui. on trouve quantité de documents authentiques en ligne. Ah oui. D'accord. On va poursuivre notre petit tour d'horizon de ces mystères lunaires. Là, on rentre sur un dossier. Bah, déjà sur Terre, ça fait sensation. On en parlera encore pendant des millénaires et on en parle depuis des millénaires. Là, c'est sur la Lune. Et on s'intéresse aux pyramides. Alors, on commence par un cas a priori résolu, mais qui avait fait beaucoup d'encre à un moment. Voilà, vous voyez la photo d'une pyramide floue, là. Oui, on devine une pyramide comme dans une tempête de sable au milieu du Caire. C'est la photo 2680 de la mission Apollo 17. Et effectivement, alors on nous a dit qu'il y avait une pyramide sur la Lune. Alors, dans ces cas-là, il y a une méthode qui va vous permettre de résoudre ou non hein, pas mal d'études d'anomalies lunaires, c'est que quand vous avez une photo à problème, vous allez chercher celle avant et celle après. Et parfois, ça peut vous donner des indices. Oui. Donc les photos qu'on trouve juste sur la droite du cliché énigmatique. Donc on prend les cinq derniers chiffres et puis on les fait par ordre. Donc là, j'ai été chercher la 2678 et on voit en fin de compte, comme c'est indiqué, que c'était des choses qui ont été prises sous le LEM, sous le module lunaire. D'accord. Là, on voit de l'appareillage. Et la 2680, elle est dans la suite. Et donc, très vraisemblablement, c'est ce qui se dit, c'est qu'en fin de compte, c'est juste un morceau d'appareillage, cette pyramide.
Oui, ce qui semble logique, si la photo Mais... juste avant et juste après donne à voir le même bout du vaisseau, il n'y a pas de raison que celle au milieu, il y ait eu un changement de direction et pris au loin une éventuelle pyramide au milieu de la surface lunaire. Ouais. Alors, si vous suivez les chiffres, vous pouvez me dire, oui, mais il manque la 2681. Très juste. Très juste. Et effectivement, elle n'y est pas parce que il l'annonce comme voilée. Ah, ça Ouais. fait quand même un mystère. Mais oui. Ils nous aident pas à éclaircir tout ça, la NASA, faut le dire. Ils auraient pu mettre la photo voilée, ça aurait levé le doute. Oui. C'est vrai qu'il y a pas mal de photos qui ont été voilées. Après, bon, ils l'ont pas publié. C'est marqué juste voilé sur le site officiel. Ah, Ah ouais. quand il y a un silence comme ça, on peut y mettre ce qu'on veut Oui. dedans et toutes les théories peuvent s'engouffrer, c'est dommage. Tout à fait. Tu vois, j'étais presque convaincu par l'explication des photos, mais Et puis après au avoir dernier relevé moment, là, ouais. la 20 681 manquante, ben, je vais repartir avec un petit doute là-dessus, quand même. Je vous montre une autre pyramide, mais cette fois-ci elle est différente parce que là, celle-ci, elle existe vraiment, ça c'est sûr. Alors, vous me demandiez comment retrouver les photos originales. Alors, concernant LRO, la reconnaissance orbiteur, j'ai mis l'adresse ici, HTTP, LROC, CESE, ASU et du POST 432. Et ça, c'est l'adresse où vous retrouverez le carré, enfin le rectangle tout en haut à gauche. Et dans lequel on peut se promener. Alors vous allez voir quand vous allez télécharger ça, quand vous allez agrandir dessus, vous allez voir que c'est une zone assez large. Hein. Et il y a des coordonnées pour se repérer, c'est line et sample. Et donc je vous ai mis une flèche bleue pour signaler où est l'anomalie, comme ça sera plus pratique à trouver. Je vous donne l'adresse de la pyramide. Là, il y a les coordonnées de la pyramide. Oui, voilà. Donc, ça c'est l'image normale, en haut là, où on voit effectivement une forme pyramidale, et donc je l'ai inversée en bas. Et effectivement, si on reste pour l'instant que sur ces deux photos, ça paraît assez curieux. Néanmoins, je dirais qu'en première vue, ça ne ressemble pas à une pyramide bien artificielle, comme on peut trouver sur la Terre, et si on regarde le côté droit, on dirait qu'il en manque une partie, que ça a été effondré. Enfin bref, que C'est c'est pas de la pas. qualité de la pyramide de Gizeh, enfin des Oui. pyramides de Gizeh. Par contre, il y a un petit détail qui m'interpelle, c'est ce que j'appelle le balcon, si vous le voyez là. Il y a une petite protubérance Oui, à la effectivement. gauche. Ouais. C'est pas un bug, parce qu'on le retrouve sur l'autre là. Oh. Donc il y est bien. Mais voilà. On ne peut pas aller plus loin parce que là, je suis au maximum de la résolution sur cette photo. Néanmoins, je dirais que bon, il y a beaucoup de massifs qui, naturellement et vu de haut, peuvent donner l'illusion d'une pyramide. Alors, j'y mets un exemple comme celui qu'a Line 31672 ou d'autres massifs naturels qui peuvent y ressembler. On est à proximité du cratère Ryder et là, j'ai fait une vue panoramique en bas à droite pour montrer à peu près les formes de rochers qu'on peut trouver. Mais je vais prendre un exemple très bête. On a pu voir à travers différents dossiers qu'on a étudiés sur Nuria, je sais que Thierry Jamin nous avait montré des pyramides naturelles du côté du continent sud-américain et qui étaient assez surprenantes, assez bluffantes. Il y avait aussi ces fameuses pyramides en Bosnie, pyramide du Soleil en Bosnie, où on a toujours du mal à se faire un avis, est-ce qu'on a affaire à une vraie pyramide ou à un truc naturel? Donc déjà sur Terre, quand on les a en face de nous, on peut les prendre sur tous les angles et les analyser. On a des fois du mal à se faire un avis. Là, avec une seule photo prise d'un seul angle, parce que c'est ce qui nous manque en fait. Là, tu as inversé, donc ça permet de se faire un autre point de vue, mais on reste toujours sur le même angle de prise. Et c'est très dur de se dire bah, facilement la pyramide de l'autre côté, parce qu'on a l'impression que la pointe penche un peu d'un côté. On n'a pas l'impression d'une pyramide symétrique. Et si on était de l'autre côté, facilement, l'illusion de ces faces planes et pyramidesques, serait totalement anéantie. Donc c'est un peu compliqué, Oui. avec ce genre de photo, de se faire une véritable idée quand on sait que même sur Terre, on a du mal avec des reliefs qu'on a sous les yeux. Je confirme même dans les Pyrénées, j'ai vu des montagnes qui ressemblaient vraiment à des, enfin de loin, qui avaient la forme d'une pyramide tout à fait naturelle. Et donc là, si on veut approfondir cette question, il nous faudrait des vues plus rapprochées.
Alors, la question, s'il y a des astronomes amateurs professionnels qui nous écoutent, si vous avez la possibilité d'aller faire un zoom sur la zone, est-ce que vous obtiendrez quelque chose sous un angle différent? Votre concours sera le bienvenu. Je peux vous en montrer une autre. Alors, même principe, là, ça, cette fois-ci, c'est à côté du cratère Stevenus. Donc, si vous allez à l'adresse LROC, vous aurez le rectangle qui est mis en haut, et là, cette fois-ci, il est tout en haut, sur la flèche bleue. J'ai agrandi, et on voit encore un massif en forme de pyramide. Mais il y a une partie Qui est soit effondré, soit qui n'a jamais effondrée. existé. Oui. Bah, c'est vrai que sur la base de ces simples photos, si on a un temps soit peu sérieux, c'est dur de conclure à des pyramides. Oui. Même Ben, si on a envie d'y effectivement, croire. je le dis, mais comme souvent on nous parle de pyramide sur la Lune, bon, ben, je vais voir à quelle adresse c'est, qu'est-ce qu'on en tire comme information. Voilà l'information qu'on a actuellement. Et si vous me dites, il n'y a rien d'artificiel dessus, ben, oui, je ne peux qu'aller dans le sens, il n'y a rien qui indique que ce soit d'origine artificielle. C'est le genre de dossier que je ne refermerai pas et que je ne trancherai pas à 100%. Je pense que sur ce genre de dossier, je vais laisser 90% de rationnel et 10% d'ouverture à peut-être. Et encore, Oui. c'est 10% cher payé. Alors, je vais vous montrer une autre cette fois-ci. Bon, je l'ai découverte récemment sur le net, donc je n'ai pas tous les éléments, mais c'est pour vous montrer aussi quelques difficultés d'aller enquêter sur ces trucs-là. Alors, un cliché LRO. Donc, ça, si de mémoire, c'est peut-être quelqu'un qui s'appelle Scott C. Waring, qui est spécialisé dans la découverte d'anomalies, mais il a tendance à les monter en mayonnaise. Dès qu'il y a un rocher un peu bizarre, il dit que c'est une structure extraterrestre et que la NASA nous cache la vérité. Bon, ceci dit, il a trouvé, même s'il a fait beaucoup de confusion, il a trouvé des dossiers assez intéressants qui ont forcé, au vu du buzz que ça a généré, qui ont forcé la NASA des fois à répondre. Bon, mais sur celui-ci, donc, il y a ces trois clichés-là qui circulent sur le net et disant qu'il y a une pyramide. Alors, comme ils n'ont pas indiqué Le de lieu. localisation, il a fallu le trouver soi-même. Donc j'ai d'abord, là c'est ce cratère-là, il y a une flèche blanche, j'ai identifié les mers. Donc on a en bas la mer des vapeurs et au-dessus de la mer de la sérénité. Donc c'est au-dessus. Et donc j'ai cherché, voilà les images qu'on nous fournit. Effectivement, si on les prend brutes comme ça, on a l'impression qu'il y a une pyramide au centre du cratère. De loin dans le brouillard, quoi. De loin dans le brouillard. Le problème, c'est que bon, ils n'ont pas indiqué quel cratère. Alors, j'ai essayé de le retrouver. Je pense que c'est celui-ci, le suivant, là, Aedoxus, parce que on voit que la partie gauche ressemble vraiment bien à la configuration. Et voilà tout ce que j'ai trouvé, que j'ai réussi à trouver sur Aedoxus. Ouais, donc pas d'éléments quand même ultra tangibles qui tendraient à accréditer l'hypothèse de véritables pyramides telles qu'on les connaît sur Terre, mais cette fois-ci sur la surface de la Lune. Pourtant, on aimerait y croire. Hein. S'il y a bien un objet archéologique qui est culte, qui est l'objet de fantasmes, c'est les pyramides. Ce sont les pyramides, et là, on aurait tous envie d'en voir sur Mars ou sur la Lune, mais là, de ce que j'ai vu, il n'y a rien qui arrive à me convaincre, et je sais que c'est un peu pareil pour toi. Oui, parce que bon, on identifie le cratère Hadoxus. J'ai pris des photos de la NASA de différentes sources, dont ceux d'un observatoire, et j'agrandis au centre. Hein, alors, a priori, c'est juste des pitons rocheux, quoi. C'est le phénomène de rebond qu'on constate dans les autres cratères. Mais à vérifier, hein, s'il y a d'autres astronomes qui font des vues rapprochées du centre. Ce qui est dommage, encore une fois, c'est la piètre qualité des images qui fait que si la NASA pouvait fournir de meilleures images, elle couperait l'herbe sous le pied à beaucoup de théories Ah oui. qui leur reprochent de cacher, de ce qui est peut-être le cas, hein. On voit pas non plus. Alors, pour vous donner une idée de la précision de l'Hérault, tant qu'on y est, la NASA, avec la sonde l'Hérault, a photographié les sites d'alunissage Apollo, enfin certains. Et elle dit avoir localisé le LEM, les traces de pas des astronautes et divers instruments. Mais le problème, c'est que sur ces photos qui ont été exhibées, vous les retrouvez facilement sur le net, on voit bien qu'il y a des traces, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une forme. Mais on n'arrive pas à deviner avec précision que c'est le LEM.
C'est-à-dire que le module lunaire, dont on connaît la taille et le poids, bon, on n'arrive pas à bien l'identifier sur une photo d'une sonde. Ce qui vous donne une idée. C'est orque, ce qui est l'équivalent d'un camion quand même. Hein, donc, enfin, l'avant d'un camion, quoi. Ouais, donc ça prouve encore qu'il y a du chemin à faire en qualité de Oui. en qualité d'appareil Ou photo. alors, il va falloir qu'on envoie nos propres sondes. Là. Mais bon, Alors là, ça a été coûté on va faire cher. un gros financement participatif et trouver des gens bien sérieux et bien compétents pour monter tout ça. Alors, je vais vous montrer une autre énigme. Alors, celle-ci, elle est récente, en 2019. Elle a identifié une énorme masse de métal sur la NASA, sur la face cachée de la Lune, en combinant des données de différentes sondes. Une masse assez importante, puisqu'on estime qu'elle est plus grande que l'île d'Hawaï. Et elle est précisément sur la face cachée et à environ 300 km de profondeur. Et donc là aussi, ça, quand on parle de métal, forcément, ça suscite des hypothèses. Oui, il y en a eu plusieurs. Donc la principale est que c'était un astéroïde bon, qui a percuté la Lune et qui est resté dedans. Et effectivement, pour vérifier le reste, moi j'enverrais bien une sonde avec un gros radar de profondeur pour savoir quelle forme a ce métal. Parce que si on trouve des escaliers, des infrastructures, des choses comme ça. Ouais, là, on reverra peut-être notre copie en se disant, tiens, Et, il se d'autant passe. plus que c'est sur la face cachée de la Lune. Ouais. Ah oui, la fameuse où il serait de bon ton de se cacher si on était extraterrestre. Oui. Donc voilà pour ça. Bon, il y a bien d'autres énigmes géologiques. On a fait un petit tour bon, qui montre un peu au niveau de la méthode comment on peut débrouiller pour retrouver les photos d'une même zone lunaire. Quelques éléments sur les missions Apollo, mais il y aurait beaucoup de choses à creuser d'autres. C'était une introduction. Et je vous propose de revenir sur Terre avec un cliché qui a été pris par la mission Apollo 17 et qui s'appelle Blue Marble. Donc ici, à gauche, on voit bon, ben, la planète entière centrée sur l'Afrique. On voit le continent africain, on voit l'île de Madagascar aussi, un peu plus au-dessus du centre, et après la péninsule arabique en haut. L'autre, c'est juste la même mais inversée. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien d'anomalique. Donc on peut passer à la slide suivante. Et en 2002, la NASA donc décide de faire une autre photo de la Terre qui s'appelle Blue Marble 2. Donc elle dit que c'est une photo composite qui a été faite en recoupant les données de plusieurs satellites. Et elle explique dans son texte que cette image Blue Marble spectaculaire est la plus détaillée en couleur de la Terre à date. Alors j'aimerais faire une correction en disant que cette photo, elle est spectaculaire, mais peut-être pas pour les raisons évoquées ici. Ah. Donc si vous prenez cette photo sur le site web avec l'adresse, et là j'ai mis une zone rectangulaire jaune, et si vous l'agrandissez, voilà ce que ça va donner. Et là on peut passer à la slide suivante. Alors, vous connaissez peut-être le jeu des 7 erreurs. Alors ça pourrait être un nouveau jeu pour les enfants. Le jeu des sept ressemblances. Sauras-tu retrouver les nuages recopiés dans cette photographie de la NASA? Ah ouais. Et donc là, moi j'ai joué et j'en ai trouvé 12. Et ça, c'est toi qui as trouvé que cette partie-là, il y avait eu de la copie. Il y en avait d'autres qui l'avaient trouvé avant, mais ils en avaient trouvé 6. Alors j'ai quand même regardé de plus près. 6 ou 7, je crois, ils avaient trouvé. Et donc j'ai regardé de plus près, j'en ai trouvé d'autres. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi dans d'autres parties de cette photo. Parce que là, j'ai pris qu'une portion, mais il faut les rechercher ailleurs. Ce qui fait quand même se poser. Encore une fois, des questions sur, on va dire le mot franchement, sur l'honnêteté des informations divulguées par la NASA. Ben là, ça nécessite de prendre un certain recul parce que, bon, bien évidemment, on ne pense pas à une chose naturelle, c'est pas possible qu'il y ait 12 Non, nuages qui se. là, Bon, donc là, on n'est on plus dans l'élimine le tout de suite. hasard. Bon.
Donc là, il y a quelque chose qui a voulu être caché ici. Et on va faire deux hypothèses majeures. C'est soit que, selon certaines théories, certains satellites seraient trop près de la Terre et ne pourraient ou n'arriveraient pas à photographier certaines zones. Ce qui m'étonne beaucoup quand même. Parce que des satellites, si en 2002 on n'arrive pas à faire une photo satellite de la Terre, c'est un peu curieux. Que des zones puissent pas être photographiées, j'en doute aussi, puisqu'il y a plusieurs satellites qui orbitent à des positions différentes. Donc tout ça m'étonne beaucoup. Il n'y a qu'une seule personne qui peut vous répondre à ça, c'est la NASA, et leur demander qu'ils nous fournissent le cliché original de cette zone, quoi. Ou le nom du stagiaire, quelqu'un parlait du stagiaire Photoshop, le nom du stagiaire qui a fini l'image, parce que là on est quand même sur une image sur laquelle la NASA communique. C'est pas juste une image comme ça, c'est quelque chose d'important. J'imagine que c'est pas des blaireaux qui bossent là-dessus. Alors c'est vrai qu'on peut toujours se dire pourquoi cette partie a été doublée, est-ce qu'on nous cache des choses? Sans parler de cacher, c'est bizarre que quelque chose d'officiel comme la NASA fasse des erreurs aussi grossières sur des images aussi importantes. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que, en fin de compte, si, quand je reviens sur le petit texte qu'ils mettent sur leur site, là, ils disent que c'est spectaculaire d'en parler, mais ils disent que ces images sont disponibles en toute liberté aux éducateurs, aux professeurs, scientifiques, aux musées, au public. Ben ouais, mais il faudrait peut-être préciser que c'est une image qui a été retouchée, quoi. C'est pas, hein? Et que si on commence à retoucher des photos, c'est plus la réalité. Il serait bon ton de mettre une petite légende, toute Oui. ressemblance avec une planète déjà connue serait fortuite. Mais ouais, bah après Non, bon, c'est oui. facile aussi de taper sur la NASA parce que forcément c'est une institution qui est un peu auréolée de mystère et qui peut susciter des fantasmes. Mais effectivement, c'est bien aussi de démontrer, comme tu viens de le faire sur cette image, qu'ils fournissent officiellement des clichés qui ne sont pas exactement ce qu'ils prétendent être. Oui, et puis en fin de compte, il n'y a pas que celui-là. Mais dans d'autres domaines, on a des photos de la NASA, par exemple sur la sonde Clémentine, où on voit des traces visiblement apparentes de floutage, de pastilles, de camouflage ou autre. Et là encore, la même question se pose. Est-ce qu'il s'agissait de masquer un bug des données? Ce qui peut arriver, il y a un trou noir, donc il faut bien le remplacer. Ou est-ce que, il y avait quelque chose à cacher? D'autant plus que dans certaines photos, il y a des objets qui dépassent, quoi. Question. Oui, j'en ai vu certaines dans ton livre, tu en parles. Il y a quelques clichés où on se dit, ah, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière le floutage. Parce que ça dépasse un petit peu, justement, mais ça, juste de quoi se poser des questions. Ce que je te propose, Franck, on a dit en début d'émission, puisque là on est arrivé à la fin de ta présentation sur ces mystères lunaires, tu l'as dit tout à l'heure, il y en a énormément, il y en a plein d'autres, on pourra y passer la nuit. Là, ce soir, moi je te remercie parce que tu nous as donné la petite caisse à outils qui va permettre à tout le monde d'aller voir des photos et de ne pas perdre du temps bêtement sur des choses qui sont facilement explicables, mais plutôt que de s'intéresser et de creuser sur des choses un peu plus pointues et qui peuvent déboucher sur des réels mystères et peut-être des phénomènes exogènes. Là, on va arrêter là pour la Lune ce soir. On va faire un petit point d'actu, puisque tu avais des infos à nous communiquer sur l'actualité UFO. Et puis, on finira l'émission avec des questions des internautes dans le domaine de l'ufologie, que ce soit sur l'émission qu'on a fait ce soir sur les mystères lunaires ou de manière un peu plus générale sur des questions ufologiques. Avant que tu nous dises quelles sont les dernières actus UFO sur notre belle planète bleue, on va prendre quelques minutes pour parler du SIPO. Donc je repartage un petit document du SIPO. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est le collectif d'intervenants sur le phénomène d'OVNI. Il y a énormément de personnes en France qui ont suivi le mouvement et qui se sont associées à ce bel élan, puisqu'il y a déjà toute une liste d'intervenants signataires, toute une liste d'associations, de médias, de structures diverses qui se sont joints à l'appel du SIPO, dont Nuria TV. On avait fait la retransmission en direct de la conférence de lancement du SIPO qui avait été faite depuis les repas ufologiques de Toulouse. L'occasion pour moi de faire un gros bisou à Isor qui est en charge de ces repas. Où est-ce qu'on en est maintenant avec le SIPO et que devient cette structure, mon cher Franck? Voilà, donc on l'avait lancé
Il y a à peu près 6 mois, ce qui est une première en France parce que c'est la première fois qu'il y a autant d'associations, donc 14 plus une trentaine de personnes qui se sont joints dans une démarche commune, dans une déclaration commune. Et en fin de compte, la base de ce mouvement, c'est qu'on est insatisfait du traitement du phénomène OVNI en France. D'un côté, on a des éléments factuels et concrets qui nous indiquent qu'on a des observations en France et dans le monde massives de phénomènes inexplicables qui sont structurés en forme géométrique et qui ont des caractéristiques incompatibles avec l'aéronautique, comme des accélérations fulgurantes, des déplacements au-delà du mur du son sans bande sonique, des virages en angle droit sans décélération, etc. Et d'un autre côté, ça n'a pas pris au sérieux ni par les médias, c'est pas pris au sérieux par les organismes officiels, enfin ils n'en donnent pas l'impression en tout cas, ou quand on leur parle publiquement, ils nous donnent des explications douteuses. Les principaux dossiers sensibles sont immédiatement classés en secret défense, donc voilà pour les raisons pour lesquelles on demande vraiment que ce soit pris au sérieux très différemment. Depuis. Donc, on a créé le système, on a discuté beaucoup entre nous, on a engagé des actions sur chacun de ces axes. Donc, le premier qui concerne les officiels, on a demandé qu'ils déclassifient certaines archives concernant le phénomène OVNI en France. Ben c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont classifiés, et secret défense, ça veut dire qu'on ne pourra plus y toucher. Rien ne permettra, avant la date de déclassification, d'y avoir accès. Et donc, on demande plus de transparence dessus. La stratégie qu'on a suivie, c'est comme certains d'entre nous dans le collectif connaissaient certains de ces officiels ou ont des relations, on a pris l'initiative de faire remonter notre message, de leur transmettre et de leur demander de faire remonter ça le plus haut possible dans leur chaîne hiérarchique, qu'elle soit militaire, gouvernementale, politique ou autre. Et ils l'ont fait, et ça a été accueilli avec de manière positive, et on sait que ça a été remonté. Néanmoins, on est obligé de faire ça dans l'ombre. C'est pas des choses qu'on peut faire ça publiquement. On peut pas interpeller des gens comme ça par médias interposés. Ça peut se faire que par discrétion. C'est la garantie que nous demandent certains. D'accord. Donc en gros, on fait remonter le message de ce côté-là. Et tu penses que la thématique est prise au sérieux par les interlocuteurs que vous avez en face de vous ou pas? Oui, alors sachant qu'il y avait une phase préalable, j'aurais peut-être dû parler, c'est qu'avant de faire ça, on a demandé à certains d'entre nous qui avaient déjà opéré cette phase, quels en ont été les résultats. Et on vient de publier sur le site du CIPO, le site internet du CIPO qui figure là, ou le site Facebook, CIPO France, les résultats de Claude Lavrap, qui en 2008, avec d'autres ufologues reconnus, avait envoyé une lettre au président Nicolas Sarkozy. Et en fin de compte, à la suite de cette lettre, il a eu des contacts avec l'armée et il détaille tout ça. Tout ça, on l'a mis sur le site internet. D'accord. Et il y en a un autre qui s'appelle Alain Boudier, qui était président de la SIGMA. La SIGMA, c'est un comité savant aéronautique qui est rattaché à la 3AF, qui étudie de manière technique et scientifique tous les aspects de l'aéronautique. Et donc, ils ont une branche qui est la 3AF SIGMA puis SIGMA 2, qui est consacrée à ça. Qui, à l'époque, avait aussi entrepris des démarches. Donc, il a eu la gentillesse, et nous le remercions, de nous détailler la liste des actions qu'il avait engagées et puis des comptes rendus des réunions qu'il avait eues avec les sièges militaires. Il a aussi mis ça sur le site du CIPO. Dans les deux cas, on constate que ça a été bordé à l'époque avec neutralité, positivisme et sérieux. Donc, on se base sur ces démarches pour engager la suite d'abord dans cet axe qu'on vient de dire avec des contacts en garantissant la confidentialité et puis sinon faire remonter ça à haut niveau. D'accord. Il s'est produit en France un événement qu'on n'attendait pas et dont on ne connaissait pas l'origine, qui est peut-être lié à ça ou non, mais ce mois-ci-là, mois de mars 2021, en fin de compte, la Défense, le service historique de la Défense a déclassifié des archives. Oh, Ah c'est oui. précisément ce qu'on demandait. Donc je vous les montre. J'ai fait une impression. Ça s'appelle la collection OVNI SHD GD 2007 ZM1. Donc vous me direz si on le voit bien. Hop, un peu plus, recule un petit peu.
et un peu plus sur ta droite. Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces archives déclassifiées? Parce que j'imagine que tu as déjà été fouillé un petit peu. Bon, en fin de compte, là, je m'en suis aperçu qu'il y a quelques jours. D'accord. Donc, j'ai juste eu le temps d'aller voir comment on pouvait avoir accès. Alors, le truc, c'est rattaché au service historique de la Défense qui est à Vincennes. Et on ne peut pas les télécharger comme ça. Il y a des conditions d'accessibilité. Après, il faut s'inscrire, soit y aller. Donc, ça, je pourrais vous en dire plus la prochaine fois. Mais je peux vous dire ce qu'elles contiennent, enfin, la ligne en tout cas. C'est que c'est des archives qui datent de 1954 à 1983. Et qui concerne des PV de gendarmerie. Et il y Intéressant. a... et donc c'est intéressant parce qu'en fin de compte, les PV de gendarmerie sont souvent considérés comme des sources fiables. Parce que quand un témoin va dans une gendarmerie ou un poste de police pour aller faire une déclaration, il sait que s'il raconte des histoires, il est soumis à une amende potentielle et une peine de prison. Donc en général, il raconte pas trop d'histoires. C'est arrivé, hein, il y en a qui sont allés faire des canulars en gendarmerie, mais c'est pas tous les jours, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, il y a un seul cas qui est donné exemple. C'est une rencontre en 1954 de deux personnes qui ont vu une masse grise s'élever d'un champ. Une masse grise avec toit circulaire, si j'ai bonne mémoire. C'est le cas de Harponville, en septembre 54, si je me souviens bien. On le connaissait déjà, on avait tous les éléments. En fin de compte, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans cette base de données, combien d'articles, si ça peut être téléchargé, mais enfin, en tout cas, on salue le geste, hein, bravo aux gens du service historique de la Défense, parce que c'est précisément ce qu'on demandait. Il ne reste plus qu'à aller voir sous quel format c'est, si on peut consulter, je vous le dirai, quoi. D'accord. Oui, parce on peut éventuellement découvrir de nouveaux cas qui auraient eu lieu sur cette période et qui sont inconnus du monde ufologique. Ah oui, surtout que la vague de 54, elle est énorme. On en parlait la dernière fois, c'est 2000 cas répertoriés par des articles de presse. Oui, donc c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg et peut-être que la gendarmerie en a recueilli le double, voire plus. Oui, sachant que certaines ont été publiées ou se retrouvent dans les archives ufologiques ou se retrouvent dans certaines bases du GEPAN, même si lui, il n'en a que 20, hein, à peu près, il y en a 21 d'après les calculs. Ils comptent pas comme nous au GEPAN. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est ça le rôle. J'en viens à l'intérêt du CIPO, qui est, je bascule, que la recherche ufologique française indépendante soit davantage soutenue. Ben voilà un exemple. C'est que si jamais vous êtes un journaliste indépendant et vous avez entendu dire qu'il y avait quelque chose qui s'était produit pendant la vague de 54, si vous allez sur la base officielle du GEPAN, vous trouvez 21 cas, dont deux inexpliqués. Par contre, vous pourriez donc, en fonction de ces éléments, vous dire bah, finalement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Deux cas inexpliqués, il ne s'est rien passé. Par contre, si vous allez dans les bases ufologiques privées, les ovnis vus de près, bah, vous trouverez plus de 2000 cas. Et j'ai vérifié. Enfin, je ne les ai pas comptés un par un. Au bout de 800, j'ai fait le recalcul. Je me suis dit, bon, ok, ça correspond à ça. J'en ai téléchargé pas mal. Et effectivement, bah, il y a du lourd. C'est-à-dire que vous avez des personnes en groupe qui vous disent avoir vu des cylindres. Qui vous disent avoir vu des soucoupes, des objets avec du hublot. C'est des personnes qui sont parfois des scientifiques, des dignitaires, des représentants de la loi. Il y en a où il y a plus de 15 ou 30 témoins. Des fois, il y a des artilleurs, il y a des croquis. Il y a eu sûrement quelques canulars et autres. Mais il y a eu un événement très important qui s'est produit à cette période-là, et c'est grâce à l'ufologie privée que vous pouvez y avoir accès. De même que pour les grandes vagues qui se sont produites en France, je me suis aperçu que c'était pas uniquement. Ce problème ne concernait pas que la vague de 54. Je me suis aperçu qu'entre-temps, depuis notre dernière émission, qu'il y a d'autres vagues d'ampleur en France qui ont complètement disparu des bases de données publiques, ou qui n'y ont jamais figuré. Et donc, c'est grâce à l'ufologie. Et donc, on a pris comme décision aussi au CIPO de vous parler de tous ces événements bon, qui ont été passés sous la trappe ou qui ont disparu, qui n'ont pas été pris en compte pour je ne sais quelle raison. D'accord. Oui, parce qu'il y a un travail de centralisation et de recueil d'informations qui est important à faire pour avoir la vision la plus large et la plus objective possible de ce phénomène OVNI, au moins en France. Il y a Curtis Newton qui nous demande, j'ai raté la signification de SIPO. Donc est-ce que tu pourrais rappeler pour Curtis la signification de cette abréviation SIPO? Collectif d'intervenants sur le phénomène OVNI.
Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver les infos du SIPO? Est-ce qu'il y a un site internet maintenant, un lien sur lequel on peut... Il est alors il est là sur le document initial. En bas, il y a marqué site internet, sipofrancewixsite.com. D'accord. Et sinon, vous pouvez aller sur notre site Facebook Sipo France. Donc je rajouterai, hop, je vais réafficher la diapo avec le site marqué en bas. Donc l'adresse mail sipofrance@gmail.com et le site internet sipofrance.wixsite.com/sipofrance et je mettrai tout ça en lien sous la vidéo d'ici peu de temps. Donc, en plus des axes qui sont présents ici sur lesquels on travaille, on se réunit ponctuellement pour définir aussi de nouveaux axes. Et donc, un qui va être, ça va être la défense et la valorisation de l'ufologie privée. Parce que toutes les bases dont je vous parlais, la base des ovnis vus de près, qui nous permet d'avoir accès à ces archives, bon, il y en a d'autres qui les ont fait. Et pour éviter que leur travail se perde, bon, on le cite. Alors, par exemple, j'ai souvent parlé des travaux de la revue LDLN, Bien qui a sûr. longuement travaillé sur le terrain. Les trois de Franck Marie, Joël Ménard, tous les autres ufologues terrain. Je parle aussi du projet Phoenix, si vous vous intéressez aux archives des magazines. C'est Monsieur Elbaz qui a ouvert ça. Sur un dossier qui s'appelle files.afu.se, vous avez une numérisation de plein de vieux catalogues d'archives ufologiques des années 50 jusqu'à parfois nos jours. Une véritable caverne au trésor. Oui. Et parmi les autres associations qui préservent les mémoires ufologiques, il y a aussi le SO, par exemple, ou Gilles Thomas d'ODHTV qui enregistre les propos des les mémoires des ufologues. Voilà, ça c'est pour le point en cours, parce qu'effectivement, bah, on voit qu'il y a une mine d'or d'informations. Et en fin de compte, l'avantage, c'est que c'est aussi des sociétés indépendantes. Les associations ufologiques, elles ont souvent un bureau qui décide. Un bureau de composé de plusieurs personnes qui prennent des décisions, mais il n'y a pas de personnes qui viennent leur donner des ordres. Ce qui n'est pas le cas des structures publiques où vous pouvez avoir jusqu'à une demi-douzaine de grades hiérarchiques au-dessus, quoi. Ouais. Ce qui peut être compliqué d'être indépendant dans ces circonstances-là. Un autre axe sur lequel on va travailler, c'est la défense des témoins. Parce qu'on s'est aperçu que certains groupuscules éprouvaient un malin plaisir à se moquer des témoins, ou alors pour d'autres raisons, comme des biais de confirmation ou je ne sais quoi. Bah, par exemple, je vous ai donné quelques exemples lors des dernières émissions. On a des témoins qui décrivent un objet rond ou sphérique et qui, à part ça, n'a rien de commun avec la Lune. C'est-à-dire que ça émet des sons, ça a un comportement intelligent, ça se situe sous la ligne d'horizon, ça change quatre fois de couleur en des minutes. Et il y a des enquêteurs anonymes qui viennent leur dire: vous êtes confondu avec la Lune. Donc, notre but va être, à chaque fois qu'on voit ce genre de cas où on se moque des témoins, où de manière répétée, insistante, on leur attribue des explications qui ne correspondent pas à la réalité, on se réserve le droit d'intervenir publiquement pour apporter des contre-explications. Oui, mais je pense que c'est important. C'est important, il faut protéger les témoins et pour encourager ceux qui verront à l'avenir de futures observations ovnis à témoigner. Voilà, un des autres axes sur lequel on va travailler, c'est aussi tout ce qui est actualité internationale et surtout aux États-Unis, parce que c'est pas qu'on a des affinités avec les États-Unis, mais c'est là-bas que ça se passe en ce moment. Entre-temps, je vais vous parler d'un dossier un peu curieux qui est à l'opposé de ce que je viens de vous dire. C'est une contre-divulgation. Je vais vous montrer le cas de l'OVNI de Calvin. Alors pareil, je ne l'ai pas intégré dans l'émission parce que j'ai envoyé déjà le PowerPoint. Je vais vous le montrer en visuel si ça se voit bien. À cette date-là, des témoins avaient vu cet objet. Un objet en forme de diamant en Écosse. Ils l'ont pris en photo et ils ont envoyé la photo donc aux services officiels qui ne les ont jamais diffusés. Néanmoins, il y aurait une présumée photocopie, celle que vous voyez ici, là, qui circule, et ça, c'est une reconstitution. Qu'est-ce qu'on peut dire aéronautiquement de ce cas? Ben, c'est-à-dire qu'un objet volant, s'il est validé, en forme de diamant, comme ça, on ne sait pas faire, hein, on ne sait pas construire, ça a rien de. Aucune société pourrait construire ça, surtout sans moteur apparent et d'une telle taille. Eh bien, en fin de compte, normalement, ce cas devait être déclassifié en janvier 2021, mais
le gouvernement du Royaume-Uni a décidé de prolonger la déclassification jusqu'en 2072, je crois. Ah oui, il va falloir Oui. patienter encore un peu pour celui-là. 72 ou 75, je ne sais plus. Bon, alors voilà, par exemple, ça c'est le mauvais exemple où visiblement on refuse une déclassification. Donc ça peut quand même arriver. A contrario, il se passe d'énormes choses aux États-Unis dont on avait déjà parlé. Alors depuis 2017, le New York Times révèle un programme secret qui s'appelle AATIP de recherche sur les ovnis. Depuis, il y a des pilotes qui ont accepté de parler d'observation d'objets aux capacités extraordinaires, comme le cas de l'USS Nimitz. On a un objet en forme de tic-tac qui est capable d'avoir une vitesse moyenne de 38 000 km/h et de s'arrêter soudainement en vol stationnaire. Et donc ces pilotes et des techniciens ont accepté de parler dans les médias et dans les journaux. Et puis depuis, il ne cesse d'avoir des événements aux États-Unis. Alors il y a une nouvelle récemment, là, depuis la dernière fois qu'on s'était vu, une commission qui s'est créée qui s'appelle l'UAPTF, reliée à l'US Navy, et qui va donner un rapport sur les ovnis normalement à partir du mois de juin, si c'est pas repoussé. Le fait que ce soit l'US Navy, non pas l'US Air Force, pourrait laisser penser que ça pourrait être objectif. Par Ouais. habitude des deux, quoi. L'US Navy nous a habitués un peu plus à de vraies divulgations. Ah oui, d'ailleurs, c'est l'US Navy qui, la première, a reconnu que les trois vidéos, FLIR ONE, Gimbal et GoFast, étaient Était authentiques. authentique, bien sûr. Ah oui, Et c'est vrai. ensuite, en 2020, c'était le Pentagone qui l'a fait. Et l'actualité récente, c'est John Ratcliffe, qui est numéro un, qui était l'ex-numéro un du renseignement aux États-Unis, qui a fait une interview ce mois-ci, là, le 20 mars. Il est intervenu sur TV Fox News. Et voilà ce qu'il raconte. Je vous le fais en synthèse des points importants. Des ovnis ont été enregistrés sur différents types de capteurs. Certains ont été vus par des membres de l'US Navy, par des pilotes ou captés par des imageries satellites. Alors, vus par l'US Navy et des pilotes, on savait, hein, c'est tous les dossiers dont on parle, mais par des imageries satellites, ça, on ne savait pas encore. S'il y a des images satellites qui nous montrent ça pourrait être intéressant de les récupérer. Alors ensuite, il nous explique qu'il y a des mouvements qui ne peuvent pas être répliqués par nos technologies. Alors ça, je vous rappelle que c'est le numéro un du renseignement aux États-Unis, l'ex-numéro un qui vient de nous dire ça sur un média mainstream aux États-Unis. Hein. Passage du mur du son sans bande sonique. Alors ça, c'est un classique du phénomène OVNI, parce que dès 1947, je rappelle une émission qu'on avait faite qui s'appelait La genèse des soucoupes volantes, on avait ces caractéristiques, il y a 70 ans. Mais même de nos jours, on ne peut pas le répliquer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un objet passe le mur du son, il va automatiquement émettre un bang. J'ai quand même regardé du côté des nouvelles technologies. Il se pourrait qu'il y ait un nouvel engin qui soit capable de le faire en 2024. C'est l'avion supersonique X-59 de Lockheed Martin qui prévoit un dispositif qui va permettre de réduire un minimum de bruit sur ses émissions. Mais sinon, officiellement, on ne sait pas. Et pourtant, on n'arrête pas de regarder ça sur les ovnis. Il précise observation d'ovnis partout dans le monde. Certains d'entre eux sont des phénomènes inexpliqués. Il y a beaucoup plus que ce qui a été rendu public. Enfin, ça, c'est bien clair. On le voit au fil et à mesure des émissions dont on parle. Il y a plein de cas qui ressortent ou dont on n'a pas parlé. Et après, il revient sur l'UAPTF. Donc, vous voyez, en fin de compte, ce genre de déclaration, il y en a quasiment tous les 15 jours aux États-Unis. Là, j'ai pris John Ratcliffe, mais sinon, c'est les membres des membres de TTSA, c'est des membres de la Navy, des politiciens qui viennent parler du phénomène OVNI. Et là-bas, on n'est plus sur les lanternes thaïlandaises, sur les confusions avec la Lune, ou c'est avec des cerfs-volants ou je ne sais quoi. Là, on. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer en France, puisque les autorités ne communiquent pas là-dessus. Je pense qu'on serait surpris, oui, en vivant aux États-Unis, de voir des hommes médiatiques connus, représentant des institutions, reconnaître clairement des engins aux capacités qu'ils ne comprennent pas. Et là, c'est ce qu'ils font sans retenue, quoi. Pour une fois que les États-Unis montrent l'exemple. Ah oui, ça a beaucoup surpris parce que c'est que depuis 2017 que ça se produit comme ça. Mais là, c'est un virage à 180 degrés qui a été pris. Ouais. Et c'est pour ça qu'on vous en parle parce que, en fin de compte, on pense qu'il y a des nouvelles qui viendront dans les temps qui vont venir depuis les États-Unis. Donc comme ça, au moins, vous le saurez en avance. Et on tâchera, nous, via le CIPO, d'en relayer de relayer le plus intéressant, quoi.
Voilà, et Franck viendra nous en parler, lui et ses amis ufologues, sur Nuria TV pour compléter la chose et vous informer au mieux. Merci Franck pour toutes ces informations réjouissantes, ces informations de fin. On a toujours espoir d'une accélération du processus de divulgation, mais il faut que les choses aillent. On peut pas aller trop vite non plus. Les gens ne sont pas encore prêts, il faut y aller lentement. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait calculé de la part des autorités. Oui, parce qu'on sent que c'est progressif, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas tout de suite à l'hypothèse extraterrestre. On sent qu'ils verrouillent point par point, quoi. Ils nous annoncent qu'il y a des observations, que c'est validé par les pilotes, ensuite que c'est validé par les techniciens, qu'on a les enregistrements radar, qu'il y a des imageries satellites, que c'était vu par des foules, qu'il y en a plus qu'on prévoit. Mais à chacune de ces étapes, ils ne parlent pas d'extraterrestres. Après, ils disent que c'est non réplicable par les technologies, que ça produit un choc supérieur à 1 000 fois ce qu'un pilote ou un avion pourrait encaisser. Bon, bah, c'est ces informations bout à bout qui avancent, quoi. Et puis à un moment, la masse sera prête à entendre la vérité qui se cache derrière ces prouesses technologiques qui nous dépassent. Merci beaucoup, Franck. Si tu veux, on va prendre quelques questions pour finir ce direct. Moi, j'en avais une petite. Les amis, si vous en avez, prenez-les et j'en prendrai une ou deux à soumettre à Franck. Il y a un autre phénomène que tu n'avais pas intégré dans cette présentation-là, mais j'aurais aimé que tu nous en dises quelques mots. C'est les fameuses pierres mouvantes sur la surface de Mars. On parle de ces pierres qui bougent, qui se déplacent, qui ne sont pas au même endroit d'un cliché à l'autre. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? À la surface de Mars, à la surface De de la la Lune, Lune, oui, de la autant Lune. pour moi. Alors déjà, ça existe sur Terre, dans des déserts, on a des pierres qui bougent toutes seules. On leur a même mis des GPS pour suivre leur trajet. Là, ça peut être dû à des phénomènes de glace ou de vent. Mais ça n'existe pas sur la Lune. Et donc, effectivement, si vous voulez, on le reprendra ce sujet peut-être une autre fois où je montrerai des clichés. Où effectivement on voit les tracés de ces rochers qu'on appelle aussi boulders sur le sol de la Lune. Ces tracés sont parfois rectilignes, parfois ils sont curvilignes, ils sont parfois sinueux. Et en fin de compte, on a plusieurs explications possibles. Le premier, c'est des ondes de choc. Par exemple, si vous avez un rocher en haut d'une colline ou d'une montagne, si y a un météore qui vient s'éclater juste à côté, il va faire une onde de choc qui peut faire bouger le rocher, qui va le faire dévaler la colline. Il y a aussi l'érosion. Si le rocher est instable en haut d'un piton rocheux, l'érosion qui peut être amplifiée par l'amplitude des températures sur la Lune peut endommager la roche et le faire tomber. Et donc on a des photos très précises et même certaines missions Apollo dans la région de Taurus-Littrow se sont approchées d'un boulder. Un énorme boulder, on a la photo, je l'ai mis dans mon livre. Et on fait des études, mais le problème c'est que d'après certains enquêteurs, il y a certains de ces rochers qui auraient remonté des pentes ou qui auraient changé de direction. Ah ouais, c'est impressionnant. Oui. Là, on est presque, quand ça change de direction, on est, ah bah, il y a forcément une explication naturelle, mais on pense tout de suite à forme de vie intelligente derrière tout ça. Mais bon, sur des pierres, faut pas exagérer non plus. Non, et puis il y a une méthode qui a permis d'identifier que certains étaient naturels, c'est qu'il y a des photos qui datent des années 50-60, hein, qui ont été prises de ces boulders. Et on a repris les mêmes sur la même zone, mais cette fois 40 ans après. Et on a vu que les rochers étaient toujours là. Donc on est sûr au moins que pendant cette période, ce rocher n'a pas bougé. D'accord. Voilà ce que je peux dire sur ces boulders. Ok. Eh bien écoute, si tu veux, on va finir sur une dernière question, parce qu'il n'y en a pas énormément sur cette fin d'émission. Les choses devaient être parfaitement claires pour nos auditeurs. Question de Julien qui demande, finalement, on n'a pas l'avis de Franck. La Lune est-elle vierge de toute vie extraterrestre et ou terrestre selon lui? Une vie exogène sur la Lune ou une activité exogène sur la Lune? Qu'est-ce que tu en penses? Si dans le cadre de l'hypothèse HET1, on pense qu'il y a une base qui a pu être mise sur la Lune, oui, c'est tout à fait pensable. Ça suppose peut-être qu'il l'ait dissimulée pour qu'elle ne soit pas visible.
Parce qu'on a bien le problème, on a un problème déjà de résolution, comme on l'avait dit, c'est qu'il y a bien des zones où on a trouvé des anomalies, on irait bien chercher, mais les télescopes amateurs actuellement ou même professionnels ne permettent pas d'avoir cette résolution, puis en plus ils sont gênés plus ou moins par l'atmosphère, même si ça peut se corriger. Il nous faudrait avoir une super résolution sur la Lune ou carrément y retourner, ce qui va être fait normalement à partir de 2024 pour aller vérifier. Mais sinon, il y a plein d'énigmes qui n'ont pas été résolues. Et puis, s'ils sont dissimulés sur la face cachée de la Lune et dans des souterrains, bon, bah là, il n'y aurait quasiment aucun moyen de les détecter. Ouais, c'est même pas en y retournant qu'on aurait une Oui. réponse. Allez, je vais te soumettre une dernière question, parce que là aussi c'est un sujet important sur cette thématique lunaire. Il y a Wake Up qui nous dit, et la fameuse tour observée et qui ferait 30 km de hauteur. Ça, moi je l'ai vu passer sur la toile. Qu'en est-il, Oui. de cette fameuse tour de 30 km de haut? Oui, alors il y en a eu plusieurs des tours de. Alors, j'ai essayé de retrouver. Il y en a un qui s'appelle The Tower on the Shard. Et il y a aussi la tour de Babel. Alors, la tour de Babel, si je me souviens bien, bon, j'en ai parlé dans le livre. Alors, à un moment, il y a une photo de la Lune et il y a une excroissance. Une excroissance telle qu'à l'échelle de la Lune, effectivement, ça pourrait dépasser 10 km de haut. Et c'est la question aussi dans The Tower on the Shard. La question dans ces énigmes-là, c'est de savoir où se situe la zone précisément. Et une fois que vous avez la zone, vous regardez toutes les photos de la zone faites par d'autres sondes, à moins qu'elles soient toutes de mèche, hein, mais aussi ceux des astronomes amateurs. Et normalement, un astronome amateur, il ne pourrait pas rater une tour de 10 km de haut. Donc si elle n'est plus là, ça veut dire que c'est un bug photographique. Ça peut être une altération d'impression ou des problèmes de lumière, ce qui était le cas sur les cas que je vous ai cités là. D'accord. Voilà. Questions, explications et réponses. Franck, un grand merci. Avant de boucler ce direct, je repartage la couverture du livre qui va bientôt sortir, ton second livre, Énigme spatiale, ce que la science et l'histoire nous révèlent sur la vie extraterrestre. Moi, j'ai hâte de pouvoir le dévorer en entier et en version papier. Donc, tu nous as dit, il sort mi-avril. Ah Et oui. dès qu'on aura les liens, on vous dira où les trouver. Et j'espère que vous serez nombreux à vous jeter dessus. Il sera disponible normalement il peut être commandé dans n'importe quelle librairie de France. Voilà, tout est Voilà. dit, donc n'hésitez pas à partir du 15 avril à aller voir votre libraire si l'État français ne les a pas fait fermer d'ici là et Ah à oui, lui ça je dire peux pas garantir. mon ami libraire, commande-moi le nouveau livre de Franck Morin. Franck, un grand grand merci à nouveau pour toutes ces infos que tu nous as données ce soir et ces infos elles nous permettent encore une fois d'avoir la capacité d'appréhender nous-mêmes ces phénomènes ovnis, ces questionnements. Et puis de pouvoir séparer un petit peu et de trier les dossiers qui se présentent à nous sur la toile pour ne pas perdre de temps, être plus efficace dans la recherche du véritable mystère. Donc un grand, grand merci pour tout ce que tu nous as proposé ce soir. Ouais, mais je te remercie, ainsi que tous ceux qui écoutent l'émission et qui l'écouteront. Et puis, ce sera avec plaisir de se revoir pour parler de nouveaux mystères et anomalies. Avec un immense plaisir. Merci beaucoup. Les Nuréens, merci à vous également. Merci d'avoir été si nombreux à suivre cette émission en direct. Merci à vous sur le chat. Merci au Modo. Merci à toutes celles et ceux qui utilisent le chat et à bon escient. Je suis pendant toute l'émission d'un œil les échanges et je trouve vraiment les Nuréens que vous êtes assez exceptionnels dans votre capacité à communiquer entre vous. Il y a toujours des gens qui viennent avec un esprit un petit peu plus belliqueux, on va dire, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment, vraiment une grande fierté à animer des émissions au sein de cette communauté-là. Donc un grand merci à vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt, ciao.